de commencer notre audition avec Monsieur le ministre délégué chargé du logement, que nous sommes très heureux d'accueillir pour la première fois ici dans cette salle de la Commission des affaires économiques du Sénat. Et donc, je pense que d'autres collègues vont peut-être nous rejoindre. C'est vrai qu'il y a une séance importante en ce moment dans l'hémicycle sur le projet de loi immigration et que donc, chacun fait comme il peut. Mais je pense que voilà, les gens vont arriver au fur et à mesure et seront là pour à la fois écouter Monsieur le ministre et vous poser un certain nombre de questions. Donc, vous êtes rattaché auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Donc, vous venez aujourd'hui plus spécifiquement nous parler de votre projet de budget pour 2024, même si je pense qu'un certain nombre de nos collègues seront amenés à vous poser des questions beaucoup plus larges que le seul budget pour l'année 2024. Donc, je précise que cette audition est diffusée en vidéo, en direct, sur le site internet du Sénat et qu'elle sera disponible ensuite en vidéo à la demande. Alors, Monsieur le ministre, puisque c'est la première fois que vous vous exprimez devant notre commission, je me permets de vous présenter en quelques mots, mais vraiment quelques mots. Vous êtes né à Dunkerque, ville dont vous avez été adjointe au maire, puis maire pendant plus de 20 ans avant votre entrée au gouvernement au mois de juillet dernier, faisant preuve ainsi d'un bel enracinement. Vous êtes aussi ingénieur Xpon et économiste, spécialiste des questions du marché du travail et de la politique de la ville, chère Viviane, ce qui vous a conduit à travailler à l'OCDE, puis auprès de notre collègue Jean-Pierre Sueur pour son important rapport « Demain, la ville », ainsi que dans les cabinets de Madame Martine Aubry et de Monsieur Claude Bartolone. Voilà pour cette présentation succincte, mais vous aurez aussi, si vous souhaitez rajouter quelques mots sur votre parcours et votre carrière, bien évidemment, vous serez amené peut-être à le faire. Donc, dans ce contexte qui est marqué par une crise du logement, que je pourrais pouvoir dire une crise du logement particulièrement grave, vous nous présentez cet après-midi un budget s'inscrivant dans la lancée des évolutions de ces dernières années. La dotation des programmes 109, 135 et 177 qui sont dédiés au logement est en progression de plus de 8% pour 2024. En fait, on doit distinguer l'évolution des programmes 109 et 177 qui progressent moins vite que l'inflation de celui du programme 135. Le programme 109, pour les plus habitués d'entre nous, porte sur les aides personnelles au logement, les APL, et représente l'essentiel des dépenses avec près de 14 milliards d'euros. Le programme 177 assure le financement de l'hébergement d'urgence et du plan logement d'abord. Il pèse désormais près de 3 milliards d'euros, mais reste sous-doté d'environ 200 à 250 millions d'euros. Enfin, le programme 135 porte notamment sur la subvention à l'ANA. Il atteint 1,5 milliard d'euros, augmentant de près de 100% cette année pour assurer la transformation de MaPrimeRénov' et la création de MaPrimeAdapt'. Au-delà de ces données, la question que l'on doit se poser est de savoir si ce budget est à la hauteur de la crise du logement que nous affrontons. Elisabeth Borne s'était engagée, dans son discours de politique générale, à conclure un pacte de confiance avec le mouvement HLM. Cet engagement est resté lettre morte, alors que l'explosion des taux d'intérêt remet clairement en cause la RLS, le relèvement de la TVA sur le logement social ou la réduction des APL, l'équation maastrichtienne reste la seule boussole. Pourtant, la Caisse des dépôts vient de publier ses perspectives où elles estiment à 66 000 logements neufs par an la capacité de construction des bailleurs pour le futur, soit la moitié de l'objectif affiché. Le gouvernement promeut également le logement intermédiaire,
ce qui est un outil aussi non négligeable, en particulier dans des territoires tendus. Mais vous le savez, comme nous, Monsieur le Ministre, ce sont d'abord et avant tout des logements sociaux les plus accessibles dont nous avons besoin, et plus particulièrement des PLAI. De même, dans le secteur privé, le PLF met en œuvre les conclusions du CNR Logement qui drape du voile de l'écologie des coupes budgétaires, déclinant la vision selon laquelle la France dépense trop et construirait encore trop de logements, bien loin de la réalité vécue dans nos territoires, où l'accès au logement devient un sujet d'inquiétude croissante, une bombe sociale, c'est votre prédécesseur qui avait parlé de bombe sociale et politique, risquant d'alimenter le vote extrême. C'est aussi tout un secteur économique qui trinque. Au jeu des vases budgétaires communicants, la rénovation ne remplit pas les carnets de commandes des promoteurs et du secteur du bâtiment. Sachez, Monsieur le Ministre, que nous serons donc particulièrement attentifs au Sénat aux inflexions que vous donnerez et à la manière dont vous pourrez répondre aux besoins des Français sur ce besoin prioritaire et de première nécessité qui est celui du logement. Je vous laisse donc maintenant nous présenter les grandes lignes de votre budget pour 2024. Et ensuite, je donnerai la parole à ma collègue Anne-Chain Larcher, qui est rapporteure pour avis de la Commission pour les crédits du logement, ainsi qu'à l'ensemble des collègues qui... Ah oui, et je n'avais pas vu que notre collègue Nadia Sollogoub nous a rejoint. Je la remercie, puisqu'elle est rapporteure pour avis des crédits du programme 177 au titre de la Commission des affaires sociales. Donc après votre intervention, Monsieur le Ministre, à la fois Anne-Chain Larcher et Nadia Sollogoub, bon, si elles ne souhaitent pas s'exprimer, et ensuite, bien sûr, nos collègues pourront prendre la parole à tour de rôle. Et je pense qu'ils ne manqueront pas de vous poser un certain nombre de questions, soit au regard du PLF, soit d'une façon beaucoup plus largement sur la politique que vous entendez mener pour essayer de répondre aux besoins des Français et surtout de faire en sorte que cette crise du logement, eh bien, puisse connaître des effets qui soient les plus limités possibles et que l'on puisse arriver à retrouver dans notre pays un parcours résidentiel qui est aujourd'hui bloqués, qui permettent effectivement, sur tous les segments du marché du logement et de l'habitat, à nos concitoyens de pouvoir trouver, autant que faire se peut, un logement abordable et qui soit le plus en conformité avec leurs attentes et leurs besoins. Voilà, Monsieur le Ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Pour compléter mon portrait, je dirais juste quelques mandats que j'ai eu l'occasion, quelques fonctions que j'ai eu l'occasion d'exercer au niveau national. J'ai été président également de France Ville Durable. Ce sont des institutions auxquelles je tiens, c'est pour ça que je me permets de les exprimer également. On a travaillé justement avec l'ensemble des parties prenantes professionnelles de la Ville Durable sur ce concept et sur la façon de développer le travail sur la ville durable à l'échelle locale. J'étais président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, après avoir été beaucoup plus tôt directeur d'une agence d'urbanisme. J'ai été président aussi de l'AFIT. Vous m'avez d'ailleurs auditionné il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Et puis aussi un poste que j'ai exercé un temps et qui a un lien avec ma fonction aujourd'hui. J'étais amendé au CGEDD, qui est devenu IGEDD. J'étais chargé du logement et de la politique de la ville. Et j'ai notamment eu l'occasion, après ma thèse sur les dispositifs d'aide fiscale à l'investissement locatif, de travailler à l'évaluation de la politique du logement avec M. Delarue et M. Lecomte. J'avoue que c'était des missions assez importantes et sur quelques sujets liés à la politique du logement. Donc voilà pour dresser le tableau complet. Ce que je vous propose, c'est à l'image de ce que j'ai pu faire pour la Commission des finances. Peut-être en quelques mots, brosser plutôt la façon dont on aborde aujourd'hui la politique du logement et dépasser simplement le cadre du PLF, mais dresser les perspectives pour les semaines et même les mois qui viennent. Je ne vous ferai pas l'injure de rappeler les quatre grands objectifs de la politique nationale du logement. Un objectif économique, on en parle beaucoup en ce moment, à la fois lié à l'emploi, mais aussi à
à cette idée que chacun doit pouvoir accès au logement dont il a besoin dans des conditions abordables économiquement, un enjeu environnemental que l'ensemble du parc de logements correspondent aux enjeux de transition écologique, un enjeu social, c'est notamment les problématiques autour de l'hébergement d'urgence, mais aussi la question de la dignité des logements et de la décence des logements. Et enfin, un objectif territorial, finalement, que la politique du logement soit adaptée aux enjeux locaux et à la spécificité de chacun des territoires. Évidemment, ces quatre grands objectifs de politique du logement, en ce moment, sont impactés par une crise à multiples facettes, crise conjoncturelle et structurelle, et crise qui touche finalement l'ensemble des éléments que je viens d'indiquer. D'abord, une crise à dominante conjoncturelle, crise plutôt économique, avec une forte croissance des taux. Je faisais encore l'exercice assez simple. Quand on passe d'un taux de 1,2 à 4,2%, c'est un prêt qu'on peut faire à la banque qui avant était de 180 000 euros et qui d'un seul coup tombe à 130 000 euros. Donc à un moment donné, 50 000 euros de perte de pouvoir sur un prêt, ça explique largement. Auquel se rajoute une inflation sur le coût des matériaux, auquel se rajoute du coup et en conséquence une forme d'attentisme par exemple dans l'achat immobilier. On a eu ce chiffre récemment qui est assez intéressant, c'est qu'en fait sur les 40% de baisse des crédits immobiliers, en fait il y a 15% qui s'explique par le refus de prêt, mais 25% qui s'explique par simplement le fait qu'on ne va même pas voir le banquier parce qu'on attend que les prix baissent. Donc il y a un effet à la fois économique, mais un effet d'attente de la baisse des prix qui amplifie évidemment la crise à caractère économique. Une crise également de l'hébergement d'urgence, des problématiques de copropriété dégradée, qui s'ajoutent, donc je le disais, à une crise plus structurelle. Finalement, des enjeux qui ont changé avec le temps. Si je prends quelques exemples, la crise Covid qui a aussi profondément changé ce qu'on attend de son logement, avec des problématiques par exemple comme le travail de télétravail, l'accès à un espace extérieur, une différenciation entre les territoires qui est beaucoup plus marquée, beaucoup plus forte. On voit bien aujourd'hui que la situation parisienne n'est pas la situation de Montluçon, de Lunéville, n'est pas la situation du Pays Basque. Donc on voit une différenciation plus forte des enjeux de la politique du logement. Une question de l'acceptabilité de la construction par nos populations, qui a aussi évolué au cours du temps, et les enjeux, bien entendu, de transition écologique et énergétique, les enjeux de vieillissement de la population aussi, puisque un tiers de nos concitoyens aura plus de 60 ans en 2050, alors qu'une faible partie du parc de logement est adaptée à cette réalité aujourd'hui. Et cette crise démographique est peut-être celle dont on parle le moins, mais qui va être aussi l'une des plus fortes dans les années qui viennent. Donc crise conjoncturelle, crise structurelle, qui nécessite évidemment de revoir la politique nationale du logement. Alors, la façon dont on a essayé d'aborder ce défi, je pense qu'on peut le dire comme ça, c'est effectivement de distinguer des réponses de court terme, j'ai envie de dire rapides, pour essayer d'amortir le choc de la crise économique en particulier. Quand on passe le taux de 1,2 à 4,2, on ne peut pas faire trop de miracles, je l'évoquais tout à l'heure. Néanmoins, il y a nécessité d'amortir le choc, d'essayer de quand même limiter la casse, notamment sur la production de logements aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous retrouvez un certain nombre d'éléments dans ce projet de loi de finances. Le prêt à taux zéro qui est recentré, j'ai envie de dire, pour des questions... dans le 9, pardon, qui est recentré, j'ai envie de dire, plus pour des questions... de construire là où on en a le plus besoin, mais élargi et renforcé. Élargi parce que nous avons revu les territoires en tension et renforcé parce que nous avons rendu... D'abord, les barèmes ont changé et nous avons élargi les publics bénéficiaires. Un travail que nous menons... Je vais assez vite sur les mesures, mais un travail que nous menons actuellement avec Bruno Le Maire en direction du gouverneur de la Banque de France pour voir comment on peut faire évoluer effectivement les critères d'octroi des crédits immobiliers. Je pense en particulier aux sous-critères, c'est-à-dire les sous-critères qui sont à l'intérieur des marges des banques aujourd'hui.
L'idée aussi, et vous l'avez dit, Madame la Présidente, de soutenir le logement locatif intermédiaire. Vous avez vu des éléments dans ce projet de loi de finances qui ouvrent notamment le logement locatif intermédiaire au fonds d'investissement. Et nous réfléchissons à comment on peut rendre ce logement locatif intermédiaire, comment on peut le rendre plus attractif pour ces fonds d'investissement. Une réflexion sur la fiscalité locative à travers une mission parlementaire qui a vocation à la fois à traiter, c'est un peu pour ça qu'elle a été lancée au départ, la question de la fiscalité des meublés touristiques, mais qui a aussi pour vocation de poser la question de la façon dont on arrive à inciter un certain nombre de nos concitoyens à encore investir dans le locatif privé. Donc cette mission parlementaire qui doit rendre ses conclusions mi-février a vocation aussi à nous guider sur cette réforme de la fiscalité locative que beaucoup attendent, qui doit permettre aussi de redonner de l'appétit pour l'investissement locatif privé. Le logement locatif social, vous l'avez cité, Madame la Présidente, qui a fait l'objet d'un accord à Nantes avec le mouvement HLM autour d'une idée: concilier la poursuite de la rénovation énergétique. Vous savez que le parc de logements locatifs sociaux est plutôt en avance par rapport au parc privé en matière de rénovation énergétique. Mais l'idée, c'était de garder le rythme, de pouvoir permettre aux bailleurs sociaux de garder cette avance tout en ne sacrifiant pas la production. Et donc, c'était le sens de notre accord avec le mouvement HLM à travers un fonds dédié à la rénovation énergétique et des prêts de la Caisse des dépôts renforcés plutôt du côté de la production. Vous avez également dans ce projet de loi de finances des éléments sur le foncier, de premiers éléments, j'ai envie de dire, avec notamment toute une série d'abattements sur les plus-values de cessions foncières. Mais ce travail sur le foncier est un travail qui ne fait que commencer, puisqu'on en voit aujourd'hui l'importance dans les années qui viennent. Et nous poursuivons toute notre réflexion sur la façon dont on pourra largement mobiliser le foncier à coût pertinent dans les années qui viennent, notamment par exemple par un travail de renforcement de l'action des établissements publics fonciers. C'est l'une des pistes évidemment que nous poursuivons actuellement. Un plan logement étudiant qui est en cours d'élaboration, à la fois en essayant de mobiliser davantage le foncier universitaire, en essayant aussi peut-être de développer les colocations étudiantes au sein des bailleurs sociaux, notamment pour les grands logements, transformation également de bureaux en logements étudiants. Transformation de bureaux en logements familiaux a toujours été difficile techniquement et financièrement. C'est plus facile en termes de résidences étudiants. Donc ce plan est en cours d'élaboration. Et enfin, évidemment, vous l'avez en tête, ce plan de rachat ou de soutien à la production à travers le rachat de 47 000 logements, 17 000 logements par la Caisse des dépôts et 30 000 logements par Action Logement, qui est toujours en cours dont on essaie de penser la poursuite pour l'année 2024. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est des mesures d'amortissement du choc de la crise macroéconomique dont certaines sont intégrés à travers ce projet de loi de finances. Bien entendu, il s'agit aussi de mieux mobiliser le parc existant. Donc on a évidemment le débat sur la question des meublés touristiques, pas simplement la question de la fiscalité, mais surtout le fait que ces meublés touristiques sont particulièrement attractifs pour les investisseurs et donc génèrent une attrition de logements. Le logement étudiant, par exemple, a beaucoup pâti du développement des meublés touristiques. Et donc une proposition de loi doit atterrir à l'Assemblée nationale dans une niche prévue en décembre, de manière à pouvoir apporter aux collectivités locales et en particulier aux communes un outil de régulation qui doit permettre de sécuriser la régulation de ce marché par les communes, ce qui me semble être l'outil le plus pertinent, parce que à la fois les communes qui en ont le plus besoin pourront s'en saisir et de manière sécurisée sur le plan juridique, parce que par exemple Saint-Malo aujourd'hui utilise le quota mais n'est pas du tout sûr de pouvoir gagner en justice par exemple. Donc l'idée, c'est de donner un package qui sécurise les communes dans la régulation des meublés touristiques, et à la limite les communes qui n'en ont pas besoin ou qui au contraire sont contents de voir se développer les meublés touristiques parce qu'ils ont beaucoup de vacances, eh ben, ne l'utiliseront pas, et donc ça permettra aussi de garder cette différenciation d'action. Et puis la fiscalité, eh bien, ce sera j'ai envie de dire une
questions qui pourraient être posées après cette mission parlementaire sur la réforme de la fiscalité locative. Il y a également tout un travail de lutte contre la vacance qui se poursuit à travers la taxe sur les logements vacants, le prêt à taux zéro en zone détendue sur l'ancien rénové, la start-up zéro logement vacant qui a été mise en place et qui permet aux maires d'avoir une connaissance des propriétaires des logements vacants et de pouvoir intervenir directement. Enfin, je ne détaille pas le plan de lutte contre la vacance. Essayez aussi d'insister sur la mobilité à l'intérieur du parc social. Je l'ai notamment évoqué lors de mon discours à Nantes au congrès HLM. Un certain nombre de bailleurs ont des politiques de mobilité particulièrement pertinentes avec des résultats. L'idée, c'est que l'ensemble des bailleurs sociaux puissent effectivement se saisir de ces bonnes pratiques pour pouvoir les développer eux-mêmes. Je n'oublie jamais que sur les 2,4 millions de demandeurs du parc social, un tiers est déjà dans le parc social. Et donc, on a un enjeu de 800 000 demandeurs aujourd'hui dans le parc social, une mutation interne. Évidemment, la question de l'habitat indigne et des copropriétés dégradées, vous avez vu le rapport commis par Michel Lutz et Mathieu Hanotin, donc sur l'habitat indigne et les copropriétés dégradées. Il nous sert de référence aujourd'hui pour préparer un plan à caractère plutôt réglementaire et financier avant la fin de l'année, mais également un projet de loi sur les copropriétés dégradées et l'habitat indigne qui a vocation à arriver sur votre table au premier trimestre 2024, qui doit permettre d'accélérer et de simplifier l'action sur les copropriétés dégradées. C'est la volonté aussi de réduction du nombre de passoires thermiques à travers évidemment MaPrimeRénov' renforcée, 5 milliards d'euros dédiés à la rénovation énergétique des logements prévus en 2024, donc 400 000 euros sur le parc social, 4,6 milliards sur le parc privé géré par l'ANA. MaPrimeAdapt qui est créé effectivement et qui doit permettre de s'adresser notamment pour l'adaptation au vieillissement et au handicap. Évidemment, c'est évoqué également la politique toujours à un très haut niveau du parc d'hébergement d'urgence. Cela, j'ai envie de dire, c'est pour répondre à court terme et le plus rapidement possible à des enjeux de crise à caractère à la fois conjoncturel, mais déjà des éléments structurels, vous l'avez repris. Mais il y a aussi une autre ambition derrière et que nous souhaitons commencer la concertation sur une réflexion plus approfondie après. La vocation, et ça a été annoncé par le président de la République, de la proposition d'une grande loi logement, d'une loi logement au printemps 2024, dont le sens est d'essayer justement d'adapter les outils de la politique du logement au nouveau modèle de développement territorial que nous souhaitons pour l'avenir. Je l'évoquais tout à l'heure, il y a de nouveaux enjeux. La transition écologique, qui s'associe notamment à la problématique du ZAN, le vieillissement, le lien emploi-logement, qui a beaucoup changé aussi la donne en matière de politique du logement. Tout ça donc a généré un contexte nouveau qui remet en cause le modèle de développement tel qu'il s'est fait depuis plus de 70 ans avec une énergie peu chère ou un carburant peu cher, et donc qui a vocation à penser autrement l'urbanisme de nos territoires. Et donc, évidemment, il faut des outils de la politique du logement qui s'adaptent à cette nouvelle réalité. Alors, cette nouvelle réalité, je le disais tout à l'heure, ça commence par la différenciation. Qui dit différenciation de politique du logement suivant le territoire pose la question de la décentralisation. Et donc, évidemment, dans cette loi logement, un chapitre sera largement consacré à la décentralisation de la politique du logement. Quel est le niveau pertinent? Pour quelles ressources? Pour quelles compétences? Avec quelle boîte à outils de la régulation du marché du logement? Telles sont les questions qui seront posées par ce chapitre dédié à la décentralisation de la politique du logement, mais nous pourrons aussi poser dans cette question de loi logement sur le sens du logement social demain. Est-ce que nous sommes toujours bien d'accord sur la spécificité du modèle français d'un modèle généraliste et non un modèle résiduel? Est-ce que c'est pas tant collectivement et politiquement de se poser la question de l'affirmation du modèle que nous souhaitons pour le logement social? En tout cas, cette loi logement pourrait permettre donc justement d'adapter les outils, par exemple les modalités d'attribution des logements en fonction du modèle, effectivement, qui paraît essentiel. Et puis des questions qui peuvent être connexes et qui ont vocation
à, j'ai envie de dire, adapter la politique du logement à ces nouveaux enjeux. Tout à l'heure, par exemple, je parlais beaucoup du foncier. On voit que ça va devenir un élément clé des stratégies de politique du logement dans les années qui viennent. Aujourd'hui, les outils ne sont pas à la hauteur de cet enjeu futur. Cette loi logement doit contenir les nouveaux outils fonciers dont les collectivités doivent pouvoir se saisir demain pour pouvoir mieux adapter leur développement. Voilà, Madame la Présidente. Je n'ai pas évoqué un certain nombre de choses où je n'ai pas voulu rentrer, mais voilà, en tout cas, je suis à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, je vais laisser la parole à notre rapporteur pour avis sur la mission logement, Anne-Chin Larcher. Oui, merci Madame la Présidente, merci aussi Monsieur le Ministre. Nous avons, comme vous pouvez l'imaginer, auditionné un certain nombre d'acteurs du logement et le rapport ne tardera pas à venir, à la fois sur les nouvelles dispositions que vous mettez dans ce projet de loi de finances concernant le Pinel et le PTZ, qui pose un certain nombre d'interrogations. J'ai trois petites questions à vous poser. La première portera sur la situation des enfants à la rue. Les associations en ont compté 2822 en octobre de cette année, soit 50% de plus que l'an passé. Ce chiffre correspond au nombre de demandes infructueuses adressées aux services intégrés d'accueil et d'orientation, les SIAO. Les mineurs véritablement à la rue seraient beaucoup moins nombreux, de l'ordre de 200, selon le décompte des nuits de la solidarité, mais le nombre des enfants placés dans les situations d'hébergement extrêmement préoccupantes en bidonville, chez des tiers ou cachés, serait peut-être 5 fois plus importante que le chiffre des associations. J'ai tenu à donner ces précisions car le sujet me paraît humainement trop grave pour polémiquer sur des chiffres. Mais je voudrais que vous nous indiquiez comment vous comptez y apporter des solutions. Est-ce que l'augmentation du nombre de places d'hébergement est par exemple une option que vous pourriez retenir ou privilégiez-vous d'autres voies ? Ma seconde question porte sur la crise de la construction neuve. La situation des promoteurs, comme de l'ensemble du secteur du bâtiment, est extrêmement préoccupante. Vous l'avez d'ailleurs très bien décrite, avec un effondrement des ventes et des mises en chantier. À l'horizon de 2 ans, ce sont 300 000 emplois qui sont menacés et certainement un grand nombre d'entreprises qui vont faire faillite, sans compter les Français qui ne pourront pas trouver où se loger. Les promoteurs proposent de rééditer sur 1 ou 2 ans la mesure Balladur de 1993 pour exonérer de droits de transmission des logements neufs achetés pour en faire une résidence principale. Qu'en pensez-vous ? Cela pourrait booster de nouveau la construction de logements ou bien proposez-vous d'autres solutions ? Enfin, dernière petite question, nous avons entendu sur le logement locatif intermédiaire. Vous assouplissez, vous faites en sorte également qu'il se développe. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps pour les collectivités que celui-là soit comptabilisé dans l'ensemble des logements sociaux ? Merci. Voilà, Monsieur le Ministre, je propose de répondre d'ores et déjà à notre rapporteur pour avis. Après, on ouvrira le champ des questions à nos collègues. Merci. Alors, la question de l'hébergement d'urgence qui rejoint évidemment la problématique des enfants à la rue, c'est évidemment connexe. Je pense qu'on est sans doute arrivé à un moment où il faut que collectivement, on se pose la question. Finalement, depuis un certain nombre d'années, pour différentes raisons, le choix a été fait de l'augmentation du nombre de places d'hébergement d'urgence. Nous sommes passés en 10 ans à 93 000 places, de 93 000 places d'hébergement d'urgence à 203 000 places d'hébergement d'urgence, donc plus qu'un doublement du nombre de places d'hébergement d'urgence. Et ce, malgré la réussite reconnue par toutes les associations du plan logement d'abord, qui a été mis en œuvre au précédent quinquennat et qui a permis à 440 000 personnes à la rue de retrouver un logement. Donc malgré le succès de la politique du logement d'abord, nous sommes passés de 93 000 places à 203 000 places. Aujourd'hui, nous avons des situations dans l'hébergement d'urgence qui durent trop longtemps. Et finalement, l'explication de cette augmentation de l'hébergement d'urgence se résume dans la phrase suivante, un flux entrant, mais pas assez de flux sortant. Et ce, malgré la politique du logement d'abord. Et c'est la raison pour laquelle, ce matin, j'ai eu l'occasion d'annoncer un renfort des effectifs de la veille sociale
de 500 postes, c'est-à-dire qui correspond à un tiers d'effectifs supplémentaires, ce qui est considérable, pour à la fois répondre aux problématiques du 115, qui avait effectivement du mal à suivre la croissance du parc d'hébergement d'urgence, mais aussi et surtout améliorer les maraudes et améliorer l'accompagnement social et l'orientation des personnes à la rue. Je pense qu'il faut renforcer tout l'accompagnement qui permet de sortir les personnes de l'hébergement d'urgence. Moi, en devenant ministre, j'ai été choqué de voir que des personnes pouvaient être 5 ans à l'hôtel. D'ailleurs, je l'ai découvert sur France 2, qui est venu m'interroger, qui a fait un reportage sur une famille gabonaise qui était à l'hôtel avec plusieurs enfants scolarisés en France et était à l'hôtel depuis 5 ans. Et moi, je leur ai répondu de manière tout à fait transparente et honnête que ce qui me choquait, c'est qu'une famille puisse être pendant 5 ans dans l'hébergement d'urgence. Donc je pense que la problématique de fond se situe là. Et donc on peut effectivement répondre à chaque fois avec l'augmentation du nombre de places. Et bien entendu, dans l'urgence, il y a cette réponse. Mais je pense que nous devons réfléchir collectivement à la moyen dont on va pouvoir mieux accompagner ces familles pour pouvoir proposer des solutions de logement, pour pouvoir proposer des solutions diverses et variées. Les situations sont très hétérogènes et je pense qu'il nécessite un suivi plus précis. Donc, je me permettrai de répondre à votre question, c'est que oui, la réponse du gouvernement est l'augmentation du nombre de places d'hébergement d'urgence, parce que quand il y a urgence, il faut répondre. Et effectivement, c'est ce qui a été fait et c'est ce qui est encore fait, puisqu'il y a encore, pour 2024, une prévision d'augmentation du nombre de places d'hébergement d'urgence, notamment des places d'hébergement dédiées aux femmes à la rue, plus particulièrement. Mais je pense qu'il est temps que nous pensions collectivement une autre façon de gérer la sortie de l'hébergement d'urgence. C'est la raison pour laquelle, je vous disais, nous avons renforcé d'un tiers les effectifs dédiés à la veille sociale, avec aussi, je le souhaite, à travers ce renforcement d'effectifs, une meilleure visibilité des solutions qui doivent nous permettre demain de diminuer finalement le stock, si vous me permettez l'expression malvenue, mais réel, de l'hébergement d'urgence aujourd'hui. Après, vous savez de quel territoire je suis issu, Dunkerque. Il y a notamment l'été des enfants à la rue à Dunkerque, beaucoup. Ce sont ceux qui se retrouvent sur les small boats la nuit. Il y a des situations particulières et nous avons souhaité les protéger. Il y a refus. Vous connaissez la difficulté de ces situations spécifiques. Donc c'est effectivement une situation que je connais particulièrement bien sur mon territoire. Donc voilà un petit peu ma réponse à votre première interpellation, mais qui, je pense, est une question centrale qui doit nous animer dans les années qui viennent. Sur la production neuve, je pense que nous n'aurons pas ou nous n'aurons plus jamais une recette miracle. 2008, on a sorti le cellier du chapeau, un nouveau dispositif d'aide fiscale ultra incitatif. Il a permis effectivement d'écouler la production neuve. On a vu ensuite ce que ça a donné. Et finalement, parfois, dans des métropoles, des programmes de promotion immobilière qui étaient à 80% dédiés à de l'investissement locatif. Et finalement, cette solution qui a toujours consisté à dire on ne va pas crever la bulle du prix immobilier qui est toujours de plus en plus haut, on l'entretient. À un moment donné, on donne à nos successeurs finalement une situation encore plus dégradée avec un prix du foncier qui est tellement monté, un prix immobilier qui a tellement monté qu'aujourd'hui, on a totalement décroché du pouvoir d'achat immobilier de nos concitoyens et on arrive à une situation, effectivement, qui est carrément dramatique à un moment donné. Donc je pense qu'à un moment, la solution qui consiste à dire il y aura une bonne solution, je n'y crois pas. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur l'ensemble des éléments. Et c'est la raison pour laquelle vous m'avez entendu égrener l'accession à la propriété. Je n'ai pas cité le BRS, d'ailleurs. J'aurais pu citer d'autres éléments. Mais l'accession à la propriété, l'investissement locatif, moi, j'y crois encore pour les institutionnels et pour les particuliers. Et je pense que le travail sur la réforme de la fiscalité locative doit nous permettre d'apporter des éclairages sur les particuliers. Et nous travaillons actuellement sur les institutionnels et sur le logement locatif social. Je pense que nous devons maintenant nous dire que
La solution miracle qui consiste à sortir des programmes de promotion fondés, ou en tout cas avec un produit ultra dominant, je pense qu'il faut arrêter et qu'il faut retrouver un équilibre dans les programmes de promotion entre ce qui a toujours constitué les fondamentaux. La mesure balade dure, son évaluation n'est pas aujourd'hui, j'ai envie de dire, unanime. Elle n'a pas donné forcément les résultats qui étaient espérés à l'époque. C'est une mesure parmi d'autres. Je ne suis pas certain qu'elle produise, en tout cas qu'elle soit le miracle magique qui permettrait de résoudre la crise aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs mesures aujourd'hui qui sont du même niveau ou du même acabit. On ne pourra pas toutes les faire. Il faut essayer de sélectionner, mais on essaie de travailler. En ce moment, notamment, on travaille beaucoup sur le logement locatif intermédiaire et c'est ça qu'on essaie effectivement de pousser. Enfin, le dernier élément que vous évoquez, c'est le logement locatif intermédiaire dans le comté SRU. C'est ce que j'ai compris de votre dernière question. Ça me rappelle ma jeunesse. L'objectif de la loi SRU était le développement du logement social, c'est-à-dire un rééquilibrage de la production du logement social à l'échelle nationale. Cette loi, je la défends et pour cause, cette loi fonctionne. Aujourd'hui, un logement social sur deux en France vient de la loi SRU. Certains vont dire « ça va pas assez vite », d'autres vont dire « ça va trop loin, c'est pas assez souple ». Mais in fine, année après année, ça rééquilibre le logement social sur le territoire. Et quand on regarde la production de logements sociaux en France, quand un logement social sur deux aujourd'hui est construit grâce à la loi SRU, on se dit qu'on a là un outil quand même assez précieux pour le développement du logement locatif social que vous évoquiez, Madame la Présidente. Donc j'ai tendance à dire, méfions-nous de la boîte de Pandore que l'on pourrait ouvrir sur la loi SRU. Aujourd'hui, elle produit des résultats. Il y a des dispositifs qui permettent de déroger. Il y a une commission nationale qui permet d'examiner des situations. Moi, je suis très favorable à dire que doivent être exonérés d'un certain nombre de responsabilités des communes qui jouent le jeu, c'est-à-dire qui, effectivement, sont dans des logiques de développement du logement social. Donc je pense qu'il faut tenir compte, effectivement, de la volonté de faire ce rattrapage. Mais je pense que nous avons besoin, vous l'avez dit, Madame la Présidente, nous avons besoin de logements locatifs sociaux. Et le LLI n'est pas tout à fait dans ces critères-là, à mon sens. Voilà. Alors après, que l'on réfléchisse aux produits du logement social demain, c'est-à-dire est-ce qu'il faut toujours PLAI plus PLS, est-ce que c'est toujours pertinent d'avoir trois produits? Pourquoi pas? On peut demain réfléchir aux outils. Je parlais tout à l'heure, j'évoquais la loi logement. Ça peut être l'occasion de parler de ces produits. Est-ce que c'est toujours pertinent de distinguer le PLAI du plus? Est-ce que c'est toujours pertinent de distinguer le PLS du LLI, effectivement? Donc il peut y avoir effectivement des réflexions. Mais aujourd'hui, la vocation n'est pas d'intégrer le PLI dans les comptes SRU. Voilà. On a déjà réussi, au moment de la loi Elan, à mettre le BRS dans le quota des logements sociaux, ce qui était déjà bien. Donc ce qui était aussi largement attendu par les maires en particulier. Alors, Nadia Sollogoub, finalement, veut intervenir. Donc, elle est rapporteure pour avis au nom de la Commission des affaires sociales sur le programme 177. Oui, merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre éclairage. Et en effet, je me réjouis de voir que vous avez bien dit que cette situation des personnes en vulnérables, l'hébergement des personnes vulnérables, est bien pour vous un problème central. Alors, par contre, je m'interroge parce que vous avez proposé des nouveaux outils en disant, par exemple, de créer 40 000 nouvelles places en intermédiation locative grâce à la mobilisation des collectivités et des associations spécialisées. Mais ne craignez-vous pas que ces 40 000 nouvelles places, en fait, ne soient pas des nouvelles places, que ce soit simplement des places qui soient dirigées vers un autre public, mais retirées de l'offre pour un public qui est déjà en tension pour trouver des logements? Je pense par exemple aux logements communaux. Si les collectivités territoriales jouent le jeu, moi je suis élue dans un territoire rural,
mettre les logements communaux à disposition via l'intermédiation locative des populations vulnérables, en fait, c'est des logements qui sont retirés de la location pour d'autres populations. Donc, ça transfère en quelque sorte le problème, mais ça règle pour une forme de population, mais en même temps, ça amplifie la tension pour d'autres. C'est quand même 40 000 places. Et puis, la deuxième chose, j'ai bien entendu les 500 postes créés pour l'accompagnement. Donc, est-ce que c'est pour cette raison que la tendance sur les années futures, alors autant cette année, je note dans les budgets l'effort qui est fait, mais la tendance pour 2025 et 2026 est baissière par contre. Donc je voulais la trajectoire financière est baissière sur ces crédits qui sont annoncés. Donc est-ce que c'est parce que vous pensez que les choses vont se stabiliser? Voilà, je vous remercie. J'allais dire, la tendance baissière vient de la réflexion qu'on aura et que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, au fond, je viens de l'évoquer en plus à l'Assemblée nationale dans une QAG, au fond, on ne peut pas se satisfaire de 203 000 places d'hébergement d'urgence, au fond. Au fond. Et au fond, on ne peut pas se satisfaire de personnes qui restent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans l'hébergement d'urgence. Donc, j'ai envie de dire, la tendance baissière pourrait être un objectif. Ça veut dire qu'on aurait réussi à mieux intégrer ces personnes dans le logement. Et donc, elle part sur l'idée que nous allons réussir à mettre en place, notamment à travers ces 500 effectifs complémentaires, un meilleur accompagnement vers le logement. Donc, elle suppose un meilleur fonctionnement de nos SIAO, elle suppose un meilleur accompagnement social, elle suppose, voilà, et on va dire qu'on présuppose le succès de toute la réflexion que j'évoquais tout à l'heure. Donc, d'où la tendance baissière. Voilà. Sur l'objectif que vous, enfin sur l'élément que vous soulignez tout à l'heure, moi je vais être clair là-dessus. L'ambition, il faut qu'on produise davantage de logements et il faut qu'on produise davantage de logements locatifs sociaux. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport à mon discours. C'est pas une vocation. Il n'y a pas de volonté de la part du gouvernement aujourd'hui de produire moins. Je le dis clairement. Je préfère que ce soit clair. Je ne pense pas qu'on ait besoin, par exemple, que seulement 200 000 logements par an, même si je ne suis pas certain qu'un chiffre national ait une pertinence, parce que pour moi, il n'y a que des chiffres locaux qui ont une pertinence, mais il faut construire. En clair, même pour être plus précis, il y a des territoires aujourd'hui où il faut privilégier du recyclage, parce qu'il y a de la vacance, même parfois beaucoup de vacances, et donc il faut des nouveaux outils qui nous permettent d'aller reconquérir des logements qui aujourd'hui sont vacants ou obsolètes, et il faut aller les chercher. Mais il y a des territoires aujourd'hui où il faut construire de manière importante. Donc c'est vrai que ça n'a jamais été aussi différencié sur le territoire national, mais il y a des territoires où il faut construire. Donc là-dessus, pas d'ambiguïté, en tout cas, sur la volonté d'une substitution à du logement existant, il faut construire de toute manière. Oui, parce que Monsieur le Ministre, vous évoquiez le fait que on ne se satisfait pas et ô combien d'avoir des familles qui peuvent rester 5 ans à l'hôtel, mais il n'y a pas qu'un accompagnement social qu'il faut mener auprès d'elles. C'est pour qu'elles puissent en sortir, c'est qu'il faut qu'il y ait une offre de logement adaptée. Et donc on en revient toujours au point de départ en disant qu'il faut continuer à construire, et plus particulièrement dans ce domaine-là, peut-être des PLAI ou des logements qui leur permettent effectivement, au vu de leur revenu, de leurs ressources, de pouvoir aspirer à un logement. Alors, on va passer aux questions de nos collègues. Première question de Guylain Cambier. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je voulais vous interroger en particulier sur l'objectif territorial, ce quatrième objectif que vous annoncez, qui vise à s'adapter à la réalité du territoire. J'ai eu l'occasion de visiter, en effet, encore il y a peu, lors d'un déplacement, un certain nombre de communes qui étaient touchées dans la ruralité, de manière à ne pas couper, justement, ou de ne pas faire de scission entre l'appréhension dans l'urbain, l'appréhension dans le rural de cette problématique du logement. Et ce qu'on constate malheureusement, c'est que trop souvent, la ruralité se sent encore une fois un peu la grande oubliée de ces politiques. La ruralité, ce n'est pas la maison individuelle en zone détendue, ce sont les spécificités particulières.
particulière. Ce sont des questions très prégnantes d'habitat vacant, de problèmes d'indivision, de succession, de bâtis anciens dégradés, de friches, etc., de dents creuses. Et tout ça, bien sûr, ça motive en même temps la vie de la commune, son dynamisme, son renouvellement également. Alors, les financements publics pour le logement en milieu rural, c'est vrai qu'ils sont, souvent assez rares et ils représentent trop souvent 2 à 3 fois le prix du bien. Nettement plus même dans les zones en déprise. Et il faut toujours batailler pour que des dispositifs comme le de Normandie dans l'Ancien, par exemple, puissent s'appliquer ou puissent se mobiliser dans le cadre de programmes gouvernementaux bien, bien particuliers. Nous avons le ZAN, vous en avez parlé, le zéro artificialisation net, qui accentue l'urgence de la réhabilitation du bâti ancien et le levier de la construction nouvelle que nous avons pu parfois mobiliser dans une grande proportion auparavant. Eh bien, on ne peut désormais plus y avoir recours. Et dans la ruralité, justement, qui disposera d'enveloppes de construction plus limitée dans l'avenir, et on peut s'en satisfaire sur un certain point, eh bien, la revitalisation des bourgs, elle doit être une priorité. Aussi, la question que je voulais vous poser, monsieur le ministre, c'est comment va-t-on faire dans les territoires ruraux sans outils d'accompagnement, sans outils d'incitation directe, justement, qui sont apportés à ces territoires en déprise, qui n'auront peut-être plus l'occasion de construire ou de se renouveler pour aider justement les collectivités à reconquérir leur habitat vacant, leur friche. Le coût des réhabilitations rend souvent plus facile la réalisation de lotissements, on l'a fait, hein, la consommation de terrain que nous souhaitons économiser. Il faut donc trouver les moyens d'accompagner ces réhabilitations, la transformation de nos friches dans la ruralité. Donc ma question concrète, monsieur le ministre, c'est quels outils directs mettez-vous à destination des élus locaux qui sont très nombreux à vous écouter. Merci, monsieur le ministre. On va essayer de tenir dans les 2 minutes pour poser la question. Hein. Je préfère qu'on... Oui. Je partage totalement votre analyse, mais totalement. Nous n'avons pas aujourd'hui les bons outils pour les nouveaux enjeux. On a fonctionné avec un modèle économique, un modèle de développement territorial pendant 70 ans sur la base effectivement du pétrole pas cher, sur la base de la voiture, sur la base de la consommation foncière, pour aujourd'hui se dire qu'il faut remettre en cause ce modèle de développement territorial avec de nouveaux enjeux. Et les nouveaux enjeux, vous les avez très bien exprimés. Je partage à 300% ce que vous venez de dire. Et donc, la loi logement, elle a vocation à inventer ces outils-là. Voilà. C'est-à-dire maintenant, c'est comment on réussit à adapter ces nouveaux outils. Il faut faire, comme vous l'avez dit, non plus... Ce qui était facile en termes de modèle économique, c'est-à-dire on met une zone pavillonnaire sur un champ de betteraves, qui en termes d'ingénierie, en termes économiques, était particulièrement adapté, à maintenant tout ce que vous avez évoqué sur la lutte contre la vacance, le recyclage, les dents creuses, les friches, etc. Et vous n'avez pas les outils. L'ingénierie, il y a un début avec France Ruralité qui existe, il faudra sans doute renforcer sans doute ces outils d'ingénierie demain. Mobiliser peut-être les établissements publics fonciers, trouver de nouveaux moyens d'intervention effectivement sur ces territoires ruraux, les petites villes également. Mais je partage complètement. Et donc, quand je parlais tout à l'heure de cette loi logement qui doit arriver, c'est bien ça que je voulais évoquer, et exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire comment on arrive à construire ces nouveaux outils. Il ne s'agit pas, en fait, d'opposer les métropoles à la ruralité. Il ne s'agit pas d'opposer les grandes villes aux petites villes. C'est aujourd'hui de se dire qu'il faudra des outils différents. Il y aura des outils différents. Ce qu'on n'a pas pensé jusqu'à présent, en fait. Il y avait une unicité des outils de la politique du logement. Et donc, maintenant, effectivement, il faut que, dans ces territoires-là, on ait aussi des outils à la fois financiers, à la fois d'ingénierie, qui doivent permettre de répondre à ces problèmes-là. Donc, je partage totalement votre analyse, et c'est bien le but du jeu de les inventer. Lesquels ? Eh bien, on va concerter pendant 6 mois pour trouver comment il faut le faire. J'en ai dit quelques-uns. Je pense que, notamment, les établissements publics fonciers doivent être très fortement renforcés, et notamment pour ce type de travail-là. Merci. Alors en 2 minutes, Yves Bleven. Oui, ben ça va un peu dans ce sens-là. Vous avez parlé d'outils, vous avez parlé de territorialisation. Ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que le monde économique, les entreprises s'intéressent de plus en plus à la problématique du logement parce que pour pouvoir embaucher, il faut des solutions de logement. Sur le 1% logement collecté par Action Logement et centralisé depuis des années, il y a une vraie opacité de la redistribution. Quand on demande à Action Logement où retournent ces moyens,
à part nous expliquer qu'il les met sur des moyens importants, notamment sur la requalification urbaine, etc., on constate que les territoires ruraux sont complètement oubliés dans le retour sur investissement. Et en tout cas, les entreprises commencent à fortement râler. Et je pense qu'il est important qu'on territorialise cette cotisation de l'action logement et qu'on ait une vision claire sur les territoires de où est-ce qu'elle revient. Le deuxième élément, c'est qu'en 2008, vous avez parlé des opérations qui avaient été mises en place pour déstocker. Les VEFA avaient permis de déstocker. Vous avez parlé du logement locatif intermédiaire. Il ne serait pas judicieux de regarder, vous parlez beaucoup de boîtes à outils, si on ne peut pas trouver des solutions, là encore avec les entreprises, en couplant un démembrement de ces stocks restants, en jouant sur la nue propriété que pourraient acheter les entreprises, seules ou à plusieurs, en les mettant en gestion aux bailleurs pour retrouver des solutions auprès de leurs salariés, des solutions de logement. Je pense qu'on a besoin d'être imaginatif, innovant en matière d'outils et saisissons cette chance que aujourd'hui les entreprises sont prêtes à investir avec nous, collectivités, sur cette problématique du logement. Ah oui, oui, pardon. Sur la question de la PEC, je me méfie toujours quand on touche au paritarisme et à la gestion paritaire. Je suis plutôt paritariste dans l'âme et je trouve que c'est pas plus mal. Moi, j'ai beaucoup milité parce que je comprends, vous n'êtes pas le premier à me dire ce sentiment de ne pas avoir le retour sur les territoires de la PEC. Je privilégie l'écriture de conventions territorialisées. Je l'ai annoncé au congrès de Nantes pour deux raisons. D'abord, parce qu'on voulait me faire donner un objectif de production à l'échelle nationale qui, pour moi, n'avait pas beaucoup de sens. Et donc, je voulais des objectifs de production de logements sociaux à l'échelle territoriale. Et puis aussi parce que, justement, ça peut renforcer des conventions territoriales entre Action Logement, les collectivités et l'État, mais en particulier entre Action Logement et les collectivités. Sur mon territoire, de la communauté urbaine de Dunkerque, par exemple, nous signons en ce moment une convention avec Action Logement qui a été lancée avant que je devienne ministre, hein, je précise les choses. Et je pense que ces solutions-là doivent permettre de donner du contenu territorialisé à la PEC. Et donc aujourd'hui, je vais commencer à Dijon cette semaine. Je vais à Dijon là, le 9 pour commencer à signer ces conventions territorialisées. Et je pense que ces conventions sont l'occasion pour Action Logement, de décliner justement sur les territoires. Donc forcément, ce sera à l'échelle de l'équivalent d'une AOLH, donc aller plutôt une intercommunalité ou un bassin de vie, de décliner effectivement l'intervention d'Action Logement et donc concrètement de la PEC sur le territoire en question. Le Action Logement aussi développe aussi un programme à destination des saisonniers. Vous savez que Visal a été élargi aux saisonniers. Donc effectivement, il y a une volonté d'aller agir sur ces territoires-là. Donc pour répondre directement à votre question, la solution aujourd'hui que je préconise et que je poursuis, c'est l'idée de convention territorialisée entre Action Logement et les territoires pour donner du contenu territorial plutôt qu'un éclatement, j'ai envie de dire, de la PEC par territoire. Sur la question de la nue propriété qui pourrait être prise par les entreprises, c'est des réflexions qui sont effectivement en cours. Il y a également des députés qui sont mobilisés, dont je pense notamment au député Da Silva qui est mobilisé sur cette question également. Moi, je suis tout à fait favorable à des réflexions qui pourraient permettre de renforcer l'engagement des entreprises au-delà de la PEC. Il ne faut pas forcément que ça se fasse au détriment de la PEC, parce que sinon, ce qu'on met d'un côté, on risque de le perdre de l'autre, à mon avis. Mais en tout cas, pourquoi pas. Après, la question du démembrement est aussi une très bonne question. Moi, je trouve que le BRS est une très bonne chose. J'aurais même voulu aller plus loin. J'avais fait des propositions d'innovation financière pour le financement de l'accession à la propriété, en jouant sur le distinguo nue propriété et foncier. Je pense que c'est une piste d'avenir et on peut travailler. Alors en plus, si les entreprises ont envie de se positionner là-dessus, il y a à mon avis des choses à faire. Je suis assez d'accord avec vous là-dessus, à travailler, effectivement. Sylviane Noël. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué dans vos propos les enjeux de transition énergétique du parc de logement et c'est sur ce point que je souhaitais vous interroger, puisque le nouveau DPE issu de la loi Climat et Résilience vise à
à exclure du parc locatif de nombreux appartements jugés énergivores à partir de 2025. Or, ce nouveau DPE pénalise gravement les logements anciens chauffés à l'électricité puisqu'il multiplie par un facteur de 2,3 la consommation réelle des logements affichés au compteur, tandis que les autres énergies comme le fioul ou le gaz ne sont infligées d'aucune pénalité, alors qu'elles émettent d'importantes quantités de gaz à effet de serre. Cette pénalité infligée aux logements chauffés à l'électricité semble d'autant plus incohérente que 90% de notre production électrique est décarbonée. Et malgré cela, un logement chauffé au gaz aura une meilleure note au DPE qu'un logement chauffé à l'électricité. Et donc, on risque de se retrouver avec un grand nombre de logements chauffés à l'électricité exclus du parc locatif d'ici 2025. Et cela risque d'aggraver grandement la crise que nous vivons. Donc, je voulais connaître un petit peu votre avis sur cette question et savoir si vous envisagiez une évolution sur ce point. Merci. Du coup, j'en profite et je vais vous parler des passoires thermiques qui ne sont pas exclus du parc locatif en 2025, qui tomberont sur le critère de la décence, ou plutôt de l'indécence, à la relocation à partir de 2025, ce qui donnera effectivement la possibilité au locataire d'attaquer le propriétaire en justice au titre de la décence. Donc on est loin de l'interdiction. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où on parle, à peu près 140 000 logements sont en G+, et continuent à être loués. Alors que depuis 2023, ils sont exclus du parc locatif, selon votre définition du mot exclusion. Donc je pense qu'il faut bien comprendre le mécanisme et il est assez subtil. Je veux nuancer ce propos-là, je ne dis pas... mais on parle... Voilà, c'est une question d'évolution du critère de la décence. Aujourd'hui, quand on regarde G+ et G, on parle de 673 000 logements. Donc 673 000 logements du parc locatif privé aujourd'hui sont donc en G+, j'évoquais les 140 000 tout à l'heure, ou en G. On a voulu faire... Donc j'ai tout de suite été... Dès que j'ai été ministre, j'ai été sollicité sur un calendrier intenable, sur le DPE, etc. Sur d'abord le calendrier, avant de répondre directement à votre question. Sur le calendrier, j'ai donc voulu savoir si effectivement il y avait une impossibilité matérielle de faire les travaux dans le délai imparti, sachant qu'en plus, c'est à la relocation après le 1er juillet 2025. Aujourd'hui, les professionnels semblent m'indiquer que 90% de ces logements, en fait, pourraient atteindre le niveau DPEF au 1er janvier 2025. C'est ce que me disent aujourd'hui les professionnels. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de travaux de copropriété pour passer de G en F au 1er janvier 2025. Et en plus, on m'a donné d'ailleurs le montant moyen de l'investissement qui correspond. Et honnêtement, il n'est pas totalement infaisable. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est en train de continuer à regarder les choses. On est en train de réfléchir à un dispositif qui sera ultra renforcé d'accompagnement des propriétaires bailleurs. Donc pourquoi pas un MaPrimeRénov plus, un accompagnateur plus, j'ai envie de dire, voire une priorisation dans MaPrimeRénov de quelqu'un qui dira « Voilà, je suis propriétaire bailleur en G, il est traité de manière prioritaire et ultra... » Mais l'objectif, c'est effectivement d'essayer d'atteindre l'objectif de ces 90% des 673 000 logements qui basculent au moins en F au 1er janvier 2025. Pour le passage de F en E, c'est 2028, ce qui laisse le temps de faire des travaux de copropriété. Et nous travaillons en ce moment à la création notamment, ça sera dans le projet de loi copropriété, à des prêts copro, à des dispositifs qui pourront permettre aux copropriétés une simplification des procédures et un accompagnement en termes financiers de ces travaux de copropriété pour essayer d'atteindre les objectifs de la transition écologique. Donc d'abord, avant d'arriver sur le DPE, mon objectif, c'est d'abord d'essayer d'atteindre l'objectif de la transition écologique. C'est la première priorité. Comme je dis toujours, la transition écologique, ce n'est pas une option. Il faut qu'on l'atteigne.
Et je pense que le risque de déplacer le calendrier du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2028, c'est qu'on se retrouve tous ensemble ici, à la fin de l'année 2026, à dire exactement la même chose. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a une pression à garder sur les propriétaires bailleurs. Je suis conscient qu'aujourd'hui, l'investissement locatif doit plutôt être favorisé, mais je pense qu'il faut garder aujourd'hui cette pression, sinon ça ne se fera jamais. Sur votre question spécifique au DPE, ce qu'on a noté aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le mécanisme d'arriver au résultat du DPE semble donner des résultats insatisfaisants pour les petits logements. Donc aujourd'hui, effectivement, sur la question des petits logements, nous sommes en train de regarder, entre guillemets, le logiciel, si vous me permettez l'expression, pour effectivement revoir peut-être la copie du DPE sur les petits logements. Sur le reste, nous ne souhaitons pas revenir sur le sujet. Il y a une multiplicité de choses qui sont mises en avant. J'ai entendu cette question sur l'électricité, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, à force de vouloir changer le thermomètre, on ne sait plus forcément où on est. Donc j'avoue que sur la question des petits logements, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Je pense que sur le reste, le but du jeu n'est pas de changer la règle du jeu, en tout cas aussi près de la date limite et des dates limites qui arrivent. Donc je pense que voilà en tout cas l'objectif gouvernemental. Petites surfaces, oui, on est en train de regarder. Au-delà des petites surfaces, on regarde. Moins de 40 mètres carrés. Et si je peux me permettre, monsieur le ministre, sur la réforme du mode du calcul du DPE, il y a effectivement corrigé le biais des petites surfaces, mais il y a aussi prendre en compte la note sur le confort d'été. Aujourd'hui, le confort d'été est complètement absent du calcul. Oui. Et demain, nos concitoyens auront peut-être plus à souffrir de la chaleur que du froid. Et donc ça aussi, c'est un paramètre qu'il faut intégrer, tout comme dans la commission d'enquête que j'avais présidée. Il y a aussi la question de l'impensé du bâti ancien d'avant 1948, sur lequel, effectivement, on ne peut pas agir de la même façon, en particulier quand on pense à l'isolation par l'extérieur, par exemple. Alors, Philippe Grosvalet. Ah bon, d'accord. Alors, on passe à Amel Gacquer, quelqu'un qui est de votre département. Tout à fait. De d'autres régions, ah, pas de département, mais oui, voilà, non, nous sommes voisins et avec plaisir. Deux sujets. Même plus que ça, puisque nous sommes co-carnavaleux. J'allais le dire. Non, c'est pas vrai, mais c'est vrai. En tout cas, merci, monsieur le ministre. Deux sujets que je souhaiterais aborder. Je reviens rapidement sur le sujet du PTZ, du prêt à taux zéro. Vous proposez, en fait, de proroger ce dispositif de 4 ans, dispositif, je le rappelle, c'est important, réservé aux ménages les plus modestes et qui permet de financer généralement la première accession à la propriété. Vous proposez également de le recentrer, puisque seront exclus les logements collectifs dans les zones non tendues et les maisons individuelles. Et c'est sur ce point que je souhaite en fait réagir. Alors ce n'est pas une question piège, je préfère le dire aussi clairement. Ça veut dire que, et c'est un peu ma question, le modèle, le rêve de beaucoup de Français de la petite maison avec le petit jardin, parce que j'entends peut-être ce que vous allez évoquer comme argument, est définitivement enterré. Un de vos prédécesseurs l'avait annoncé, peut-être prématurément, ce qui avait provoqué, je me souviens, pas mal de réactions. Alors, quand je vous dis que ce n'est pas une question de piège, c'est que j'ai compris que vous vouliez dire les choses clairement. Est-ce que vous confirmez cette orientation et est-ce que ce modèle aujourd'hui doit être vraiment abandonné, particulièrement pour les familles ou pour les Français modestes? Ça, c'est ma première question. Puis, autre sujet, celui du logement étudiant. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Dans le marché immobilier tendu que nous connaissons, les étudiants sont peut-être les plus touchés. Le déséquilibre entre l'offre et la demande est très, très important. Et en septembre 2023, vous avez tous ces chiffres-là, ce sont près de 3 millions d'étudiants qui étaient présents, qui ont fait leur entrée. 15 000 de plus qu'en 2022. Heureusement, les résidences étudiantes atténuent un peu ce déséquilibre. L'offre des Crous, c'est un élément aussi important pour les étudiants boursiers. Aujourd'hui, n'accueille qu'un quart de la population boursière. Bref, aujourd'hui, des étudiants arrêtent leurs études parce qu'ils ne peuvent pas se loger. On voit même une catégorie d'étudiants
SDF, c'est-à-dire des étudiants qui, pendant toute leur année scolaire, cherchent des bons plans toute l'année pour pouvoir poursuivre leurs études. Donc, encore une fois, je le dis, hein, je sais que vous y êtes attentifs, mais ma question est simple. Hein, quelles mesures choc souhaitez-vous proposer pour véritablement, en tout cas, apporter des réponses à court terme sur cette difficulté ? Merci. Alors, sur le prêt à taux zéro, d'abord, le distinguo zone tendue, zone détendue sur neuf versus ancien rénové, je pense que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ça doit faire partie, et renforcer du coup, hein, ça doit faire partie de ces outils qui doivent s'adapter, se différencier suivant la réalité du territoire. Donc j'assume parfaitement. Après, il a été ajouté des éléments sur la forme urbaine. Bien. Contact. Voilà. Il a été rajouté des éléments sur la forme urbaine. J'habite dans une maison individuelle dans la zone la plus dense de l'agglomération dunkerquoise. Voilà. Voilà. Sur le logement étudiant. Sur le logement étudiant. Enfin, vous m'avez compris. Voilà. Alors, je suis, alors peut-être parce que ça me touche aussi personnellement, je ne veux pas accepter que, on me donne le chiffre de 12%, je ne sais pas d'où il vient, mais ça a été mis dans un journal, que 12% effectivement des étudiants renonceraient à leurs études ou changeraient leurs études pour des questions liées au logement. Moi, ce chiffre ne me va pas, vous le savez, et dès mon arrivée, j'ai souhaité vraiment prendre à bras le corps cette question. Alors, quand on est ministre du logement, il ne faut pas être... il faut avoir une certaine dose d'abnégation parce qu'on sait qu'on travaille pendant 2 ans ou 3 ans. Mais enfin bon, c'est la richesse de la fonction qui fait que, de toute façon, la construction. Néanmoins, il faut l'engager. Et je pense que ce plan logement étudiant, je me suis beaucoup mobilisé pour qu'il puisse avoir lieu. Je pense qu'il est totalement saisi par la Première ministre, saisi par ma collègue Sylvie Retailleau. Et aujourd'hui, vraiment, on est en posture de combat. Donc évidemment, il faut à la fois produire du logement social étudiant. Je pense que nous avons beaucoup de capacités de foncier universitaire. J'y crois beaucoup. Je pense qu'il faut sans doute revoir des règles. C'est tout simple, parce que la foncier universitaire, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a des procédures extrêmement complexes. On évoquait encore, il n'y a pas très longtemps, une tour au milieu de Strasbourg, totalement vide, parce qu'on n'arrive pas à monter l'opération. Elle est vide depuis 10 ans. Elle pourrait faire du logement étudiant. Donc il y a des problèmes de complexité des montages, de complexité foncière, etc. Donc il faut qu'on arrive à simplifier tout ça aujourd'hui. Il faut qu'on mette des opérateurs performants et compétents sur le sujet. Et on doit pouvoir développer davantage de logements étudiants, logements social étudiants dans les années qui viennent. En tout cas, c'est vraiment mon souhait. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a d'autres pistes. Il y a des agglomérations qui ont connu des très grands logements, mais qui n'ont plus forcément de très grandes familles. Une intermédiation avec, on a notamment pris contact avec la FEV là-dessus, pour pouvoir organiser des colocations étudiantes, c'est faisable. De la diversification dans le cadre de l'ANRU. Moi, je vois des projets ANRU où on veut diversifier. On parle de diversification. Eh bien, s'il faut diversifier, pourquoi pas dans des projets ANRU, je pense notamment à l'Île-de-France, à chaque fois d'une diversification par des logements étudiants ou par des résidences seniors, d'ailleurs. Ouais. C'est un objet de diversification qui serait très utile dans le cadre de la politique de la ville. Et je suis certain que beaucoup d'étudiants accepteraient justement d'apporter ces éléments de diversification de peuplement dans ces quartiers où on en a besoin, où on a besoin de retrouver de la mixité sociale. Donc, la diversification dans les projets ANRU, la transformation de bureaux au logement. Il y a notamment un outil d'action logement qui vise à accélérer le travail sur cette transformation de bureaux au logement. Moi, je crois beaucoup en ça. Il y a l'idée aussi dans le LLI d'ouvrir le LLI à de la résidence LLI. Donc, pourquoi pas de la résidence étudiante LLI. Donc, on est en train, donc dans le plan étudiant, logement étudiant qu'on est en train d'essayer d'élaborer, donc avec ma collègue Sylvie Retailleau et avec la Première ministre, il y a toute une série de mesures qu'on est en train d'explorer. Mais oui, il faut y répondre. Et je partage totalement le besoin aujourd'hui. Donc on s'y attelle et on revient le plus rapidement vers vous avec un certain nombre de mesures à proposer. Et le logement temporaire via des containers ? Oui, il y a des idées, il y a même des idées de tiny house, c'est comme ça qu'on dit, pour les étudiants. Voilà.
tiny house. Voilà. Enfin, moi, les tiny house, j'ai du mal, moi, je ne sais pas pourquoi. Mais oui, il y a des idées de logements temporaires, c'est des choses qu'on peut explorer. Bernard Buis. Merci, Présidente. Rapidement, une question sur la régulation des compléments de loyer. Le complément de loyer correspond au montant additionnel d'un locataire s'acquitte en plus de son loyer au titre d'une ou plusieurs caractéristiques exceptionnelles de localisation ou de confort de son logement. Si ces compléments de loyer ne sont applicables que dans certaines grandes villes et dans certaines conditions, la régulation actuelle des compléments de loyer est-elle suffisante et comment peut-on l'améliorer ? Beaucoup, même d'associations de locataires m'évoquent les abus sur les compléments de loyer aujourd'hui. Il y aura sans doute besoin de réguler et surtout d'en donner une définition plus précise. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut résoudre le problème. Mais j'ai envie de... Je trouve que ça pose un autre débat. Que j'évoque depuis le début et qui doit, à mon avis, faire l'objet de notre réflexion collective. On veut en même temps soutenir et développer l'investissement locatif par le particulier. Et en même temps, on a la question de la transition écologique et donc du DPE. On a des questions de loyer, de complément de loyer. Certains évoquent même l'idée de, comment ça s'appelle pour les voitures, de contrôle technique des logements. En fait, je pense que ce qu'on a à trouver, c'est le juste équilibre entre quelque chose qui doit permettre quand même à un certain nombre de nos concitoyens de vouloir investir dans l'investissement locatif, de vouloir détenir du parc locatif privé. Et en même temps, un certain nombre de contraintes qui paraissent minimales. Et donc, notamment, la définition du complément de loyer, etc. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre des choses qui ne soient pas trop complexes, considérées comme de trop grosses contraintes, pour finalement ne pas décourager l'investissement locatif, parce qu'on a besoin du particulier aujourd'hui, on a besoin de parcs locatifs privés, et les institutionnels ne remplaceront pas les particuliers. On est en train de travailler pour augmenter, mais ça ne remplacera pas. Donc, il nous faut des investisseurs particuliers. Donc, à la fois, il faut des choses qui soient suffisamment incitative et pas trop contraignante. Et en même temps, on a des exigences de transition écologique, de définition des loyers. Voilà. Donc voilà, c'est une réflexion collective qu'on doit avoir. Finalement, c'est comment on arrive à quand même avoir des investisseurs particuliers qui font de la location et en même temps exiger un certain nombre de contraintes qui sont totalement légitimes au regard des enjeux futurs. Voilà, donc c'est une vraie question de fond. Viviane Artigalas. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, moi je voulais vous interroger sur le problème de l'accès au logement, qui est devenu un réel problème, cet accès au logement, à la fois pour les propriétaires, comme propriétaires, mais aussi comme locataires. Et ce problème concerne maintenant tous les territoires, y compris les territoires ruraux, et pas seulement les zones tendues. Les causes en sont multiples, vous l'avez évoqué, mais je vais, moi, sur deux de ces causes. La première, enfin, souligner deux de ces causes. Le coût du foncier, le premier, vous l'avez dit, nous sommes très en attente d'outils de régulation du foncier. Il faut s'y atteler très, très rapidement. Les maires, les bailleurs, les promoteurs, tout le monde attend vraiment ce coût de foncier. C'est peut-être, et la Loisanne n'arrange rien à ce sujet. Le deuxième sujet, c'est sur la fiscalité locative, bon, qui est très défavorable, vous le savez, au profit des meublés touristiques au détriment des logements à l'année. Alors que le nombre de logements, de résidences louées sur les plateformes explose chaque année au détriment du marché locatif transitionnel. Les ajustements que vous proposez dans le PLF 2024 ne permettront pas d'inverser la tendance, d'autant plus que ces mesures ne concernent, je le dis encore, que les zones tendues. Pourquoi, alors qu'il y a urgence, attendre 2025, c'est ce que vous annoncez pour cette réforme de la fiscalité locative, alors que des propositions existent déjà à l'Assemblée nationale sur ce sujet? Et puis vous avez parlé aussi d'un outil de régulation des meublés touristiques. C'est important pour tous les territoires. Pourquoi ne pas élargir rapidement le décret zone touristique tendue, mais sans appliquer la méthode
méthode hédonique qui avait été choisie pour le premier élargissement qui donne des résultats parfois très surprenants. Et j'en ai quelques exemples sur mon territoire. Le territoire des Hautes-Pyrénées. Sur les outils de régulation du foncier, je me suis déjà exprimé, je partage. Effectivement, c'est des choses qu'il faut inventer. Je parlais de la loi logement tout à l'heure, c'est là qu'il faudra inventer ces nouveaux outils. On n'a même pas aujourd'hui, au niveau des collectivités, un droit de préemption pour lutte contre la spéculation foncière. Donc déjà, on va commencer par ça. Et puis, mais je pense qu'il y a d'autres outils à avoir, parce qu'il y a aussi une question financière. Vous le disiez tout à l'heure, monsieur le sénateur, il y a aussi une question financière derrière. Quand on intervient dans la ruralité, on n'a pas forcément les moyens de pouvoir investir. Effectivement, donc il y a aussi des questions financières derrière. Donc je partage là-dessus. On aura l'occasion de revenir. Sur les meublés touristiques, je vais préciser ce que je voulais dire tout à l'heure. Il y a deux questions. Il y a une question de la fiscalité des meublés touristiques et il y a une question de la régulation par la commune du développement des meublés touristiques. Je pense que parmi ces deux solutions, la plus urgente est la deuxième, c'est-à-dire avoir à disposition un outil de régulation. Parce que du coup, les communes qui sont en difficulté, qui voient se développer, j'en suis le témoin, qui voient se développer à une vitesse grand V les meublés touristiques, auront le moyen, par exemple, de fixer des quotas, voire d'interdire le développement de nouveau. Si on met en place le système de la compensation aujourd'hui, mais si on va demain avec un nouvel outil, on pourra arrêter le développement. C'est-à-dire, voilà, il n'y aura plus la possibilité de faire. Moi, je voudrais aller jusque-là. C'est-à-dire, je voudrais aller jusqu'à ce que les communes qui le souhaitent interdisent clairement le développement des meublés touristiques. Et là, du coup, ça stoppe le phénomène. On a un système de régulation du marché des meublés touristiques et se saisissent de l'outil les communes qui ont envie de s'en saisir. Donc ça, pour moi, c'est la priorité. C'est le sens de la proposition de loi Lemeur et Chanise qui doit arriver en décembre à l'Assemblée nationale, donc au premier trimestre 2024 chez vous, pour probablement une CMP aux alentours du mois de mars. Et donc théoriquement, au mois de mars 2024, si tout va bien, on a cet outil de régulation à la disposition des communes, si tout va bien. Tout partout. 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 Toutes les communes. À la discrétion des communes. À la discrétion des communes. Ceux qui n'en veulent pas, ils ne le font pas. Voilà, à discrétion. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, c'est la question des outils de régulation. D'ailleurs, au passage, tout à l'heure, on parlait de la loi logement et de la décentralisation de la politique du logement. Ce n'est pas que des compétences, la politique du logement. C'est aussi des outils de régulation, des outils de réglementation. Et donc, ça, là, pour moi, c'est un outil de réglementation. Et après, il y a la question de la fiscalité, qui est une deuxième question. Je pense qu'à partir du moment où on aura l'outil de régulation, la question de la fiscalité va être moins urgente et on va pouvoir le poser. Pour moi, c'est une question plus de justice fiscale, en réalité. J'ai envie de dire, quelque part, je vous renvoie à la question. Est-ce qu'il est légitime que quelqu'un qui loue un meublé ait une aide publique, entre guillemets, plus importante que celui qui loue en location nue ? C'est une question de justice fiscale. J'ai envie de dire, c'est vous, en tant que parlementaire, qui pouvez encore plus facilement que moi répondre à cette question. Est-ce que vous trouvez ça juste ? Si vous trouvez ça injuste, eh bien effectivement, sans doute que la mission parlementaire qui est confiée sur la réforme de la fiscalité locative, et puis les occasions que vous aurez pour revenir sur cette question de la fiscalité locative, vous donneront la question d'avoir effectivement une fiscalité juste. Moi, je me suis déjà exprimé sur la question dans un quotidien national, donc vous connaissez ma position, je vais arrêter d'insister. Voilà, donc vous connaissez déjà ma position en termes de justice fiscale. Mais voilà, j'ai envie de dire que pour moi, c'est plus cette question-là qui doit permettre de définir le bon niveau de fiscalité ou pas. À la fois, on ne doit pas décourager les investisseurs, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. À la fois, il faut qu'on encourage l'investissement locatif demain parce qu'on a besoin des particuliers qui louent dans le privé. Donc la fiscalité est l'un des outils, c'est même un super outil. Et de l'autre côté, on doit pouvoir réguler un certain nombre de marchés aujourd'hui quand ils génèrent une attrition de logements et en tout cas quelque chose qui empêche les étudiants, les saisonniers, voire un certain nombre de résidents du territoire d'accéder au logement. Je partage totalement votre analyse. Et intégrer les logements touristiques dans le calendrier de la loi climat et résilience. Aujourd'hui, ils échappent.
HAP. Donc voilà, ils ne sont pas concernés, même s'ils sont étiquetés F ou G. Alors c'est dans la loi, c'est dans la proposition de loi, excusez-moi, Le Maire et Chanis. D'accord. Alors par contre, je vous alerte, on n'a toujours pas trouvé comment on fait. Donc on est en train d'accompagner les deux députés. Je vous explique pourquoi. C'est le principe de la naissance. Un DPE, demain un DPE G, il y a le locataire qui va attaquer en justice. Le locataire d'un B&B, pardon, d'un meublé touristique, ne va sans doute pas attaquer en justice. Et donc, parce qu'il va passer une nuit et il ne va pas s'embêter avec une procédure de justice face au propriétaire. Donc le système qui est mis en place pour la location longue durée ne fonctionnera pas pour les meublés touristiques. Et donc il faut qu'on invente un autre système. Alors peut-être justement avec l'outil de régulation de la commune. Peut-être que la commune qui par exemple met en place un système d'agrément peut demander peut-être le DPE et donc le refuser à ce titre. Mais du coup, ça voudrait dire que ce ne soit pas appliqué de la même manière sur le territoire national. Oui. Et on tombe sur un problème juridique. Donc pour l'instant, on n'a pas encore la solution la solution juridique qui permet d'aligner en fait les meublés touristiques sur la location longue durée. Donc il faut l'avoir en tête, il y a un problème juridique. Il y a un problème juridique. Ah, okay. Rémi Cardon. Merci Madame la Présidente. Figurez-vous, je vais rebondir sur vos propos, puisque c'était l'objet de ma question, sur le fait que j'ai suivi vos différentes interviews sur le sujet, où vous êtes plutôt pour aligner la fiscalité des meublés touristiques avec celle des meublés traditionnels et la location vide. Également, vous avez dit aussi dans une autre interview que vous fallait laisser la main aux parlementaires. Quand je vous entends, effectivement, vous confortez ces propos. Et je pense que ça vous a pas échappé, mais il me semble qu'il y avait 312 députés, donc une majorité absolue, à l'Assemblée nationale qui a déposé un amendement pour harmoniser la fiscalité du marché locatif à un taux de 40%, notamment sur les abattements fiscaux sur les meublés touristiques et donc la niche fiscale Airbnb. Alors, du coup, étant donné qu'il y a eu beaucoup de parlementaires, il y a eu un amendement, mais il y a eu un 49-3. Et là, plus un bruit de votre part, vous êtes rentré dans le rang et vous êtes en train de dire qu'on va en parler en 2025. Enfin, en tout cas, voilà, ma question, elle est simple. Comment expliquez-vous votre impuissance, monsieur le ministre ? Non, je ne suis pas impuissant. Je ne suis pas impuissant. Elle est tendancieuse, cette phrase. je pense que la Première ministre a raison. Effectivement, il y avait à un moment donné, peut-être dans l'urgence, la précipitation. On m'a demandé une position. J'ai livré ma position personnelle. Mais j'ai toujours dit, si vous avez suivi mes interviews, j'ai toujours dit que l'outil de régulation était plus urgent que la question de la fiscalité. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit que ce qu'il fallait faire d'abord, c'est l'outil de régulation en collectivité, parce que je pense que c'est ça qui arrêtera le phénomène aujourd'hui des meublés touristiques. Sur la question de la fiscalité locative, le problème, c'est que, en fait, il y a beaucoup de régimes. Et en fait, il y a une grande complexité derrière tout ça. Alors, j'ai donné ma position à un moment donné, mais il y a une grande complexité. Et je pense que cette mission... Et puis derrière, j'évoquais, il y a aussi la question de l'incitation. C'est-à-dire, attention aussi de ne pas, j'ai envie de dire, jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc, du coup, se retrouver avec plus d'investisseurs particuliers qui veulent demain continuer à faire du locatif privé. Hein. Parce que là, on a besoin du parc privé locatif en France. Hein. Donc, on a besoin de gens qui soient des bailleurs. On en a besoin. Et donc, la position de la Première ministre a été de dire, OK, on fait l'outil. Donc, elle m'a aidé à faire inscrire dans la niche de décembre la proposition de loi sur l'outil de régulation. Et donc, qui arrivera dans le calendrier, qui, je l'espère, ça dépend de vous maintenant, arrivera, j'espère, au mois de mars pour les collectivités. Et ensuite, finalement, se donner cette mission parlementaire est le temps d'une réflexion, mais du coup pour l'ensemble des régimes et pour la question de l'ensemble des questions. C'est-à-dire pas simplement la question de la justice fiscale sur le meublé touristique versus la location nue versus le meublé, mais tous les régimes, y compris en réel, on pose tout sur la table.
Et on pose à la fois la question de comment on motive des gens à poursuivre de l'investissement locatif, là où on en a le plus besoin, par exemple pour la résidence longue durée, parce que c'est pas ça qu'on doit aider, justement, plutôt que du meublé touristique. En tout cas, voilà, prenons le temps d'examiner tous les effets de bord, prenons le temps d'examiner toutes les conséquences. En plus, c'est important, hein, l'alignement, ça a généré des conséquences très importantes. Hein. Donc prenons ces quelques mois pour essayer de se mettre d'accord, mais surtout, c'est-à-dire faisons la réforme de la fiscalité locative, mais surtout, pas sur un point, pas sur le meublé touristique, sur l'ensemble. Et voyons tous les effets de bord et prenons le temps. En attendant, il y aura un outil de régulation. Donc théoriquement, on doit calmer le jeu sur les meublés touristiques à partir du moment où on a l'outil de régulation. Et derrière, on se prend le temps de regarder tous les régimes de la fiscalité locative en même temps. Evelyne Corbière-Damaso. On verra. On verra. Il peut y avoir des lois de finances rectificatives. C'est bon pour Evelyne. Merci. Monsieur le ministre, mon intervention va porter sur le logement et spécifiquement le logement à La Réunion, qui est le territoire pour lequel je suis élue sénatrice. Donc simplement vous dire, je pense que vous connaissez la situation du logement à La Réunion, qui est en crise, on peut le dire. Donc nous avons 41 000 demandes de logement en souffrance, de demandes de logements sociaux. 80% concernent des logements sociaux ou très sociaux. Et nous n'arrêtons pas de constater une diminution de production de ces logements ces dernières années. Il y a aussi la question de la décence autour de la production des logements. Il y a aussi la question de la décence de ces logements, puisque nous avons 135 immeubles qui ont moins de 10 ans et qui sont aujourd'hui jugés indécents. Pourquoi j'en parle ? Parce que effectivement, à La Réunion, donc, nous avons un climat tropical et donc nous produisions des logements qui répondent aux normes européennes, ce qui fait que, au bout de 10 ans, eh bien, les familles qui donc vivent des minima sociaux et des aides sociales se retrouvent dans des logements indécents avec des moisissures et cela génère des problèmes de santé, donc on a le pack entier, c'est-à-dire minima sociaux, logements indécents, problèmes de santé. Et donc, c'est un engrenage infernal dans lequel les familles s'enfoncent. Donc, ma question, elle porte vraiment sur la logique de la politique de logement qui est menée en Outre-mer et particulièrement à La Réunion. Il faut savoir que, étant une île, nous avons effectivement, comme ici, mais de façon beaucoup plus criante à La Réunion, le problème de la rareté du foncier. Nous en sommes à devoir... donc la pression est importante, puisqu'il faut préserver les terres agricoles, il y a le développement économique, il y a de grosses difficultés de déplacement. Et là-dessus, la question de production de logements, donc au regard de l'inflation et des difficultés géographiques que nous rencontrons, les logements sont de plus en plus chers dans les constructions et cela a une répercussion immédiate sur le coût des loyers. Donc nos logements sociaux et très sociaux sont de plus en plus chers, de plus en plus indécents et génèrent de plus en plus de difficultés de problèmes sanitaires. À cela s'ajoute, je l'ai déjà dit dans cette commission, une situation sociale qui est aussi inquiétante, puisque 36% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Je rappelle que la moyenne française est à 14%. Donc, puisqu'on parlait tout à l'heure des enfants, un enfant sur deux à La Réunion vit en dessous du seuil de la pauvreté. Donc tout ça pour dire que on est vraiment dans une crise du logement qui n'est pas faite pour s'arranger. Juste rappeler également que nous sommes un des départements les plus touchés par les violences faites aux femmes. 98% des familles monoparentales sont dirigées par des femmes. Donc
Le dernier rapport qui a été rendu par la Fondation Abbé Pierre disait, avait sous-titré son rapport en disant, en l'appelant le mal logement des femmes. Donc c'est vraiment un sujet de fond. Donc vous voyez, c'est le cumul de toutes ces situations sociales dégradées qui font que l'avenir est sombre pour ces familles. J'ajoute également rapidement. Que la loi Pinel est prévue de s'arrêter en 2024 et que du coup ça n'est pas fait pour arranger les choses, puisque vous disiez tout à l'heure qu'on misait sur la production de logements privés. À La Réunion, ça va être encore plus compliqué. Nous avons aussi également constaté que, comme partout, les banques reculent sur l'acceptation de prêts. Et donc, au niveau du problème du logement à La Réunion, nous nous enfonçons. Voilà. Monsieur le ministre. Vous avez une très belle île et j'ai eu l'occasion d'y aller parce que c'était l'un de mes territoires, de ma thèse. Et donc j'y ai vu toutes les aberrations des dispositifs d'aide fiscale à La Réunion, où des quincailliers devenaient du jour au lendemain promoteurs, faisant des logements de bien piètre qualité pour des métropolitains qui ne voyaient que l'avantage fiscal, qui n'avaient jamais mis une seule fois les pieds à La Réunion et probablement ont jamais mis les pieds à La Réunion une fois dans leur vie, mais qui se prenaient à l'avantage fiscal dans des logements d'ailleurs qui au départ étaient vides, puis après avec la démographie ont fini par se remplir et se sont dégradés comme vous l'avez décrit en moins de 10 ans. Donc j'ai vu effectivement à La Réunion tout le mal que pouvait faire aussi une aide fiscale quand elle était pas régulée et pas contrôlée, et je pense que vous payez aussi quelque part. Donc moi, le Pinel qui s'en va pour La Réunion, je ne suis pas certain que ce soit une mauvaise nouvelle. Mais bon, c'était une parenthèse. Mes collaborateurs me passaient effectivement un certain nombre d'éléments. Effectivement, on est en train de travailler sur La Réunion. Il y a un travail sur les bailleurs sociaux pour les consolider sur le plan financier. Il y a Nana qui intervient de plus en plus. J'évoquais avec mon directeur de cabinet, Arnaud Cursante, l'hypothèse aussi. Vous savez qu'on a un programme territoire engagé pour le logement, c'est-à-dire sur une vingtaine de territoires, une forme d'accélération, et essayer de travailler une accélération. La Réunion pourrait très bien être un site assez emblématique pour essayer d'accélérer la production de logements et être l'un de ces sites. Alors je ne peux pas aujourd'hui m'avancer, mais en tout cas, c'est une des réflexions en cours de l'un des territoires qui pourrait bénéficier de cette accélération spécifique compte tenu du besoin que vous avez exprimé tout à l'heure. Ce qu'on recherche, en fait, c'est ces territoires où le besoin est archi-urgent et vous en faites largement partie. Et puis, au-delà de ce que vous venez de dire, et finalement, vous êtes l'incarnation suprême du besoin de différenciation de nos outils de la politique du logement. Et vous l'avez dit dans votre propos. Vous avez dit finalement les normes nationales. Voilà. Et je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais la question de l'adaptation des normes, non seulement elle est une évidence pour nos territoires d'outre-mer, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi devenue une évidence pour notre territoire métropolitain ? Bien sûr. Je veux dire, entre mon territoire dunkerquois, qui va subir 3 tempêtes en plus de 150 km/h, vous avez une très belle illustration en ce moment, et le territoire nîmois, qui va subir du plus de 50 degrés, est-ce que nous devons avoir les mêmes normes de construction ? C'est-à-dire que ce que l'outre-mer nous a appris et qui a permis d'ailleurs de différencier MaPrimeRénov' suivant les territoires, ce que l'outre-mer nous apprend est peut-être une leçon pour la métropole. Et vous êtes peut-être en train de nous donner des leçons sur notre incapacité que nous avons sur le territoire métropolitain à différencier nos normes de construction. Ce qui arrive en outre-mer peut nous arriver à nous aussi si on n'a pas cette capacité à davantage différencier. Et la question des normes de construction est peut-être aussi sur la table de la loi logement. Faut-il les mêmes normes de construction à Nîmes, à Dunkerque ou à Brest? Ce sont des questions qui, à mon avis, sont sur la table et que vous posez à travers votre témoignage. Donc pour répondre sur La Réunion, on regarde ça avec attention. Voilà. Alors encore 3 questions et on va vous libérer, monsieur le ministre, en vous remerciant pour vos réponses très précises. Daniel Salmon.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous avez parlé tout à l'heure des logements sociaux et de la rénovation qui a plutôt bien avancé, comme quoi les bailleurs sociaux, lorsqu'on leur laisse les moyens, sont capables de faire le travail. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Vous avez parlé de fonds pour les aider à la rénovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le montant de ces fonds et sous quelle forme ils vont être apportés aux bailleurs sociaux? Sinon, deuxième élément, vous nous avez dit que vous alliez permettre l'ouverture aux fonds d'investissement, ouvrir les logements intermédiaires aux fonds d'investissement. Qui dit fonds d'investissement dit rendement, vous le savez. Quel rendement va être attendu par ces fonds d'investissement? Et moi, je me pose la question de fonds. On parle souvent de la valeur travail. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, un couple d'ouvriers ne puisse plus faire construire comme il y a quelques décennies et qu'on doive toujours avoir recours à des fonds d'investissement pour pouvoir faire les investissements sur la construction neuve, alors qu'avant, eh bien, des gens, par leur travail, étaient en capacité d'investir et ils ne le peuvent plus aujourd'hui. Donc il y a un moment, il y a une question de la valeur travail. Alors, le fonds dédié à la rénovation énergétique pour les bailleurs sociaux est donc un fonds d'1,2 milliard donc sur 3 ans. Donc, on aura 400 millions par an sur opération sous forme de subvention. Voilà. Donc, les bailleurs sociaux n'auront qu'à demander une subvention de l'État au titre de ce fonds. Sur la question du logement locatif intermédiaire... D'abord, je parle souvent des institutionnels parce qu'on est passé de quasiment 30% hein, de mémoire à 1% aujourd'hui dans le locatif privé. Vous inquiétez pas, je ne pense pas 30 secondes qu'on va revenir à 30%. Hein. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, j'insiste beaucoup aussi sur le particulier qui doit rester l'investisseur locatif archi-dominant. Néanmoins, je trouve qu'1%, c'est faible. Et je trouve que, par exemple, des supports comme l'assurance-vie ou l'épargne-retraite, c'est-à-dire des supports longs, et plutôt français. Hein. Moi, je n'ai pas envie de faire venir dans le logement des fonds d'investissement américains comme ça s'est passé en Allemagne et on a vu les conséquences sur les loyers. Donc, ce n'est pas le but du jeu. Mais des fonds d'épargne retraite ou des fonds d'assurance vie, c'est-à-dire des fonds d'épargne à vocation plutôt longue, peuvent avoir aujourd'hui, comme l'immobilier de bureau va mal, peut avoir besoin dans ses actifs un certain nombre d'immobilier résidentiel. Et donc, pourquoi pas? C'est-à-dire, bon. Et en tout cas, pourquoi pas remonter de 3-4%. Enfin voilà, on en est là. Hein. Je veux dire, on n'est pas non plus... Je n'attends pas demain à ce que sur le locatif privé, on ait des fonds de pension. Je ne m'attends pas du tout à ça et ce n'est pas le but du jeu. Mais si on peut ne serait-ce que faire quelques milliers de logements grâce à l'assurance vie ou l'épargne retraite, pourquoi s'en priver? Alors, la question que vous posez, elle me gêne un peu parce que j'ai commencé par dire on doit inventer le modèle de demain. Donc, vous me dites pourquoi pas comme avant un couple d'ouvriers pourrait faire construire. En fait, ça repose sur la question du modèle économique d'avant. Le modèle économique d'avant, c'était quoi? C'était je vais construire une maison sur un champ de betteraves. Donc le modèle économique était très pertinent. Le pétrole était pas cher, donc j'achetais une voiture. D'ailleurs, au passage, ça transfère à l'ouvrier l'achat de sa voiture. Et puis le carburant qu'on met dedans, ce qui est pas pareil que le transport collectif, qui est pas payé par l'ouvrier. Oui, voilà. Non, mais c'est ce que je disais. C'est-à-dire que le modèle économique d'avant, il était fondé sur une énergie pas chère. Et il a rendu des millions de Français dépendants de la voiture et donc du prix du carburant à 50, voire 100 km de leur emploi. Et c'est ce modèle-là aujourd'hui qui est en crise. Et qu'aujourd'hui, vous irez sans doute au petit bistrot d'en face, vous serez servi par un serveur qui vit probablement à une heure de son travail. Je pense que la question centrale aujourd'hui, c'est ça. C'est l'éloignement d'une partie de nos populations de leur emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est acceptable qu'une caissière du supermarché qui nous sert se retrouve à 50 ou 70 km de son travail et mette une heure pour accéder à son travail? Est-ce qu'un salarié de la restauration aujourd'hui, qui a des pauses entre 15h et 17h30, doit vivre à 100 km de son travail? Le problème d'aujourd'hui, il est là. Et c'est le modèle d'avant qui nous a mis là. Et donc, ce qu'il faut, c'est réinventer ce nouveau modèle et effectivement permettre à la valeur travail que je partage avec vous, vraiment, permettre à cette valeur de travail de trouver des réponses
en lien avec l'emploi. La question aujourd'hui qui est posée, c'est pas est-ce que le serveur du petit bistrot d'en face, il peut accéder à la propriété, c'est est-ce qu'il peut avoir un logement ? Est-ce qu'il peut avoir un logement proche de son emploi ? Et la réponse est non. Et donc c'est pour ça que quand je dis les outils qu'on a réinventés, c'est sans doute pas les outils d'avant, mais c'est comment on réussit à concilier le lien emploi-logement. C'est l'un des défis. Il y a la transition écologique, il y a le vieillissement, il y a le lien emploi-logement. Et cette question-là, à mon avis, elle est centrale. Et là, pareil, on n'a pas les outils. Alors quand on parle aujourd'hui du logement social, par exemple, moi je vous dis mon sentiment, je trouve que le logement social dans le modèle généraliste, il permettrait de faire la place à ces travailleurs clés aujourd'hui si on se fixait l'objectif de mixité sociale. C'est-à-dire si on dédiait le logement social à un équilibre entre les travailleurs clés et les personnes les plus démunies, on aurait à la fois la mixité et à la fois la réponse à cette question. Ben, c'est des débats qu'on aura peut-être ensemble dans le cadre de la loi logement. Mais voilà, en tout cas, cette question du rapprochement et du lien emploi-logement me semble être une question essentielle de l'avenir de la politique du logement et en tout cas l'un des sujets qu'on aura à poser dans la future loi logement. Anne-Catherine Loisier. Et ensuite, Frédéric Bédal. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Alors, en fait, c'est une demande de précision par rapport à la question que vient d'aborder mon collègue sur la construction de logements sociaux par les bailleurs. Donc, et pour revenir au PLF, donc là, j'entends qu'il y aurait donc une enveloppe de 400 millions, c'est bien entendu, par an, donc qui serait destinée essentiellement à la construction neuve ou qui rentrerait aussi dans les obligations de rénovation. Non, c'est de la rénovation énergétique. Donc, pas pour la construction neuve. Non. Donc, le problème, aujourd'hui, on voit bien que les bailleurs sont pris dans un étau entre les obligations sur la rénovation énergétique, entre une dette qui croît. Donc ma question revient. Quel levier pensez-vous engager pour les relancer et les inciter à davantage de construction neuve ? Alors, c'était tout l'enjeu en fait du congrès HLM à Nantes, c'est-à-dire comment on tient la réno et la production. En fait, c'était ça la question. Le but du jeu, c'était pas dire tout réno, parce qu'on a besoin de construire du logement social, je l'ai dit, et en même temps ne pas faire la réno, c'était aussi voilà. Et donc, ce qu'on a essayé de trouver et l'idée du pacte, l'accord qu'on a obtenu avec le mouvement HLM, c'était comment on arrive à trouver le juste équilibre pour aider à la fois. Donc il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises sur la réno. La plus médiatique, ça a été ce fonds de 1,2 milliard sur 3 ans, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a eu des prêts modifiés de la Caisse des dépôts sur la rénovation énergétique pour, de mémoire, 6 milliards. Il y a eu du prêt pour des changements de vecteur énergétique de l'ADEME. Il y a eu... aidez-moi. Et puis après sa construction, surtout. Non, mais c'est sur la réno, sur le dispositif de la seconde vie, voilà, il y a toute une série de mesures qu'on a fait sur la réno et toute une série de mesures qu'on a fait sur la production. Sur la production, il y a 8 milliards de prêts bonifiés de la caisse à TLA-0,4 sur le PLAI, TLA-0,2 sur le plus. Il y a, aidez-moi, ma mémoire flanche. C'est essentiellement ça, bon, voilà. Mais je peux essayer de retrouver les choses. Il me semblait qu'il y avait autre chose. Donc voilà. Et donc l'idée avec les bailleurs sociaux, c'était de trouver ce juste équilibre. Le but aussi, en aidant à la réno, c'est de pouvoir remobiliser du fonds propre aussi sur la production. C'était ça le but du jeu. On continue à travailler avec le mouvement HLM, très sincèrement. On a besoin de plus de logements sociaux. On a sans doute besoin aussi de retravailler des équilibres d'opération. Moi, j'en profite parce que vous avez l'oreille des maires en tant que sénateur. Et je pense, enfin moi, je l'ai dit quand j'étais allé au congrès des maires du Nord, il faut aussi que les maires aujourd'hui acceptent des évolutions d'opération. Il y a des équilibres qui marchent peut-être plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en parfois en rajoutant un peu de PLS, parfois en rajoutant un peu de LLI, on peut retrouver des équilibres d'opération. Aujourd'hui, je connais des maires qui refusent ce type d'évolution. Pourtant, les promoteurs ne leur mandent pas, en l'occurrence. Et aussi, il faut des promoteurs pour sortir, parce que la moitié aujourd'hui des logements locatifs sociaux se font en VFA. Donc il faut sortir des opérations de promotion aussi. Il n'y a pas que de la production par les bailleurs sociaux. Et il y a des évolutions. Par exemple, je vous donne des exemples. Il y avait une opération de promotion toute récente dans une ville de la région Île-de-France. Il y avait de l'accession à la propriété et du logement social.
Le promoteur est retourné voir le maire, a dit « Écoute, il faut que tu me mettes un peu de LLI à la place de, de l'accession à la propriété ». Le maire a refusé, l'opération est plantée. Alors qu'on la sortait en faisant évoluer des opérations. Voilà. Et donc on ne va pas sortir le logement social en VFA, parce que l'opération de promotion ne va pas sortir. Donc il y a aussi des, il faut revoir les équilibres économiques à l'intérieur des produits. Le taux d'intérêt est ce qu'il est, et donc la nécessité d'adapter des programmes de promotion, c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer. Voilà. Frédéric Buval et Marianne Marguette, on en aura terminé. Je suis l'avant-dernier. Merci, oui. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre, de nous avoir présenté ces informations cet après-midi. Donc je pense qu'à 8000 km, on a Martinique qui aura un suivi de toutes ces annonces, parce que c'est forcément, quand les annonces sont faites à Paris, c'est 5 ans après qu'on c'est arrive. Le décalage horaire. On est vigilant là-dessus. Une façon de vous dire que je partage ce qu'a dit mon collègue d'en face, alors que tu habites, tu es élu sur le territoire. Dans le métropole. L'Hexagone, on dit l'Hexagone. Je partage aussi tout ce qu'a dit la collègue de La Réunion. Une façon de vous dire que les Iliens ont tout ce qu'il faut pour ne pas être à l'aise dans la production de logements. D'abord, il y a le foncier. Le foncier, c'est important chez nous. Une île de 1500 km², 80% de l'île est déjà en zone agricole, zone cultivée. Un tiers est en zone prévention des risques majeurs. Donc c'est à août. L'autre tiers, c'est soumis aux aléas climatiques. Nous subissons la montée lente et régulière des eaux. Donc on nous propose de faire sortir des quartiers entiers et les replacer sur ce qu'on appelle chez nous les mornes. Mais maintenant, les mornes sont en zone agricole, on fait comment? Donc on ne nous a pas donné la solution, mais on nous demande de prévoir déjà la solution de les faire sortir. Sur pilotis peut-être, tu as raison, mon cher collègue. Alors, le problème qui se pose, c'est que les maires qui ont une vision de développement de leur territoire, ils sont élus pour ça d'ailleurs. Quand ils se présentent à la CDPENAF pour la révision de leur PLU, on leur oppose systématiquement ne pas toucher aux zones agricoles. Et quand il y a des opérations immobilières, elles sont bloquées, puisque la CDPENAF, contrairement à l'Hexagone, donne un avis conforme à la Martinique et un avis simple dans l'Hexagone. Donc là aussi, il y a un petit sujet, Madame la Présidente, qu'il faudra qu'on reporte à cette commission économique. Maintenant, quand on dit qu'on met en place des structures nous permettant aux maires de pouvoir travailler dans la rénovation urbaine, je parle du PVD, par exemple, Petite Ville de Demain. C'est un appel à projet du gouvernement. Un appel à projet qui ne peut satisfaire que 4 ou 5 communes sur les 34, alors que les 34 communes devraient être éligibles à la rénovation urbaine. Maintenant, c'est très intéressant que les Petites Villes de Demain arrivent, puisqu'il y a une technicité qui est apportée par Petite Ville de Demain, mais nous n'avons pas encore le suivi pour savoir, quand on aura décidé de faire une rénovation urbaine, qui va payer? Parce que les maires, vous savez très bien que dans la Martinique, on est comme ici. Hein, les finances communales ne sont pas florissantes. Donc, on n'a pas les moyens de faire cela. Donc, c'est une question que je vous pose. Quel sera le suivi des Petites Villes de Demain? Et puis, je parle de rénovation urbaine, je parle de RHI aussi. Et là aussi, nous avons toujours des problèmes financiers pour terminer les RHI parce que le financement n'est pas au bout du compte. Et surtout pour les opérations immobilières de LES, LLTS, bon, ce sont des opérations barbares que nous trouvons là-bas parce que, bon, tous ceux et toutes celles qui demandent à être logés LES et LLTS, c'est peut-être une fraction d'euros en plus ou en moins ce qui leur permet d'aller dans un logement ou un autre. Donc là aussi, il faudra revoir cette appellation. Mais pour vous dire aussi que quand on met en place une opération de LES ou LTS, les entrepreneurs de BTP, vous tournent le dos parce que ces opérations-là sont tirées vers le bas. Et donc, à la fin, quand il y a l'opération terminée, l'entrepreneur, il ne se retrouve plus. Non seulement il ne se retrouve plus financièrement, mais les délais de paiement, puisque les opérations sont montées de façon, voilà, pour commencer, mais ils attendent 6 mois avant d'être payés. Donc, on ne trouve plus d'entrepreneurs pour construire des logements sociaux à la Martinique, alors qu'il y a des milliers de demandes de logements.
Donc je vous demande comment faites-vous, comment vous allez nous accompagner pour nous permettre de porter la solution aux milliers de demandes de logements sociaux à la Martinique. Merci, monsieur le ministre. Non, mais tout ce que vous dites renvoie justement à cette logique de différenciation. Moi, je suis déjà allé à Martinique, mais c'était pour le tourisme. Je ne suis pas intéressé à la situation du logement. Mais en tout cas, tout ce que vous évoquez, on voit bien que ça renvoie à toutes les questions qu'on a déjà évoquées. Comment on renforce l'ingénierie, comment on trouve des outils adaptés à une situation très spécifique, pour le coup. La solution, elle est locale. Hein. La solution, elle est locale. Après, l'État mettra en place un certain nombre de mesures d'accompagnement financier dans lesquelles vous allez pouvoir piocher. Mais ce n'est pas moi, à Paris, qui vais trouver la solution pour la Martinique. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est des questions véritablement d'aménagement urbain local et de stratégie et de vision de développement territorial. Voilà. Mais en tout cas, on sera à vos côtés pour accompagner et trouver les bons outils. Mais voilà. Alors, Marianne Margatet, et je suis désolée, on a zappé Daniel Grébillet qui achèvera le cycle des questions. Voilà, Marianne, rapidement. Oui. Merci, Madame la Présidente. Donc, Monsieur le Ministre, vous parliez tout à l'heure de l'équilibre des opérations. Je pense qu'avec la flambée des taux d'intérêt, ça repose, en tout cas, moi, ça repose la question d'aide à la pierre. Je vais vous donner un exemple. J'ai inauguré dans ma commune, je suis sénatrice de Seine-et-Marne, une opération de 12 logements en tissu urbain, une petite opération qui respecte... Voilà un peu maintenant les schémas de développement que nous souhaitons pour notre pays. Et sur cette opération, le financement de l'État, c'est 0,8%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que nos bailleurs sont confrontés de toute façon à c'est du logement social, hein, on s'entend bien, évidemment. Donc sont confrontés à l'impossibilité de mener à bien leur construction. Donc c'est un véritable blocage en termes de construction de logements sociaux. C'est une priorité, on en est tous d'accord, mais la disparition de l'aide à la pierre pose la question de cet équilibre économique. Je voulais vous parler également de différenciation et... La question a été évoquée sur le PTZ. Moi, je suis élue donc d'un grand département, la moitié de l'Île-de-France, partie très urbaine, partie en développement et partie très rurale. Et je pense que le PTZ aurait pu, en tout cas, pourrait être mieux différencié, notamment dans nos zones tendues qui sont à l'ouest de la Seine-et-Marne, mais qui correspond aussi à d'autres départements, pour permettre notamment la possibilité d'activer le PTZ pour de l'individuel neuf en BRSA et en PSLA, qui correspond à une attente très claire des populations qui souhaitent s'implanter dans des communes et qui peut permettre de fluidifier le parcours résidentiel que nous souhaitons mettre en place. Et également être attentif à l'élargissement du PTZ dans des zones non tendues pour du neuf lorsqu'il n'y a pas de logement ancien disponible. Et dans notre grande couronne de l'Île-de-France, on est parfois sur des situations de forte tension dans lesquelles il n'y a plus de logement ancien et pour autant, il y a une volonté de pouvoir accueillir de nouvelles populations. Et enfin, pour rester en Île-de-France, comme ça, c'est un peu moins... C'est une île, mais ce n'est pas aussi belle ni que la Réunion, ni que celle de l'Outre-mer en général. Je voulais vous poser la question sur la volonté de la présidente de la région Île-de-France, Mme Pécresse, d'imposer un seuil minimal de 30% de logements sociaux en PLAI en plus. Sinon, les communes seraient empêchées de construire du logement social. Ça pose question, puisque quand même, on parle de développement de logement social, et c'est quand même un peu une libre atteinte à la libre administration et au choix des communes. Donc je voulais avoir votre avis sur cette question. Apparemment, les services de l'État sont assez réticents sur cette mesure dite anti-ghetto. Est-ce que vous partagez, quelle est votre position et comment vous estimez, quelle est votre analyse sur la fragilité juridique d'une telle mesure si elle venait à s'appliquer? Je vous remercie. Merci. Sur la première opération que vous avez, écoutez, j'ai annoncé au congrès HLM qu'on avait encore des crédits disponibles au titre du FNAP et qu'on devait les utiliser en priorité pour débloquer les opérations qui restent bloquées. Donc envoyez-moi l'équipe de l'opération. On a peut-être des crédits FNAP à compléter pour pouvoir équilibrer l'opération. On a fait passer le message à tous les préfets. On a vu qu'il y avait des opérations qui avaient un petit peu de mal à se débloquer et qui manquaient finalement pas grand-chose. Il reste du FNAP
allez-y, quoi. Donc, soit interpeller le préfet, soit envoyez-nous la chose, on regardera ça. Sur le prêt à taux zéro, il est ouvert à l'ensemble de l'accession sociale, quelle que soit la zone. Sur tout le territoire national, PSLA, BRS, l'accession, le PTZ est ouvert. Individuel. Si, en individuel, voilà, il est ouvert. En accession sociale, le PTZ est ouvert. Accession sociale, il est ouvert. Voilà, sur toute l'accession sociale, vous l'avez dans le PLF, là. Donc PSLA, BRS, c'est éligible. Il n'y a pas de souci. Et après, sur la position de la présidente de la région Île-de-France. Je pense qu'en fait... et c'est pour ça que moi j'aspire à ce débat qu'on doit avoir sur c'est quoi le logement social demain. Tout à l'heure, je me suis exprimé, j'ai donné une conception un peu personnelle de ce que pouvait être, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, sur la façon dont pourrait évoluer le logement social demain. Si on dit demain, donc je fais de la fiction là, la loi logement, elle n'y est pas, on est dans une concertation et un échange libre. Si demain on dit que le logement social, il doit trouver l'équilibre entre le travailleur clé, le soignant et les ménages précaires, je ne suis pas sûr que la présidente de la région Île-de-France maintienne ça. J'en suis pas certain. Peut-être que ce débat, on doit peut-être le dépasser par le haut et se dire qu'est-ce qui nous réunirait ensemble, les élus de la République, sur la fonction du logement social. On doit finalement peut-être, excusez-moi l'expression, mais faire la paix entre nous sur le logement social et trouver finalement une vocation du logement social qui réunirait suffisamment d'élus de la République autour d'une conception. Est-ce qu'on peut ne pas être, je ne sais pas moi, 80% des élus de la République d'accord avec un modèle généraliste qui équilibre les travailleurs clés et les plus précaires? Donc peut-être... Donc, moi, j'ai envie de... Ce dont j'ai envie, c'est peut-être reposer la question du modèle du logement social et faire qu'il soit peut-être réapproprié par nos maires. Moi, je suis toujours gêné quand je vois des maires s'opposer à la construction du logement social. Je suis toujours gêné. Ça me gêne. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Il y a un modèle républicain qui est le nôtre, etc. Alors peut-être qu'on doit en débattre collectivement. Peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, le modèle du logement social est peut-être... on n'a peut-être pas réussi à rassembler assez autour du modèle du logement social. Et si on essayait de trouver un modèle qui rassemble plus d'élus de la République, et du coup, qu'on puisse développer sans contrainte... Enfin, il y en aura toujours un petit peu. Hein, voilà, ouais. Mais en tout cas, qu'on ait une définition du logement social qui soit plus partagée. Est-ce qu'on peut réussir dans ce pays à dépassionner le logement social et se dire que... il est nécessaire à nos concitoyens. Voilà, c'est mon rêve. Je finis sur un rêve, une utopie. Ah non, il y a une autre question. Non, vous n'avez pas encore fini. Je suis désolé, monsieur le ministre. Daniel Grémillier, encore toutes nos excuses. Oui, madame la présidente, monsieur le ministre. Non, presque, ça aurait été. Oui. Et je suis vraiment désolé parce que je vais casser un peu votre rêve. Parce que la réalité, monsieur le ministre, vous la connaissez comme nous. Ben, si vous la connaissez comme nous, la réalité, c'est que l'envolée des prix des matériaux fait qu'aujourd'hui, le nombre de particuliers, de communes, on est tous confrontés, on est sur le terrain comme vous, qui renoncent parce qu'ils n'ont pas les capacités aujourd'hui de financer la rénovation énergétique, je ne parle même pas du neuf, y compris la rénovation. Et quand on sait le mur qu'il y a devant nous, et vous l'avez évoqué tout à l'heure à juste titre, du calendrier des logements qui vont sortir, etc. Encore faut-il avoir les moyens. On n'a pas une politique d'accompagnement qui permette à des familles de pouvoir faire face aux moyens et à l'accroissement des coûts de rénovation. Je suis désolé, c'est la réalité des faits aujourd'hui. Tout le monde est mobilisé sur l'inflation alimentaire, mais regardez l'inflation des coûts que représente aujourd'hui le logement. Une question. Aujourd'hui, la loi ZAN va effectivement restreindre la possibilité de construire. Donc on a l'obligation de pouvoir reconquérir du bâti qui n'a plus de vocation. Et je prends l'exemple dans le milieu rural, et on est tous confrontés à ça, d'anciennes fermes qui n'ont plus de vocation. Et aujourd'hui, la fiscalité est différente. Quand vous rénovez la partie logement, de la partie du bâti, l'ancienne étable, l'ancienne stockage de foin, peu importe, il y a un gros problème.
Pourtant, c'est pour faire du logement. Et vous ne permettez pas, là encore, l'accessibilité à des familles de pouvoir s'investir dans la rénovation. Deuxième exemple que je voudrais donner. Dans les communes, on a un gros problème aussi de biens qui n'ont plus de vocation économique. Mais comme il n'y a pas de fiscalité, personne ne veut vendre. Et donc, effectivement, j'ai bien entendu, et je partage ce que vous avez dit tout à l'heure, mais encore faut-il qu'il y ait le droit de préemption, c'est bien, à condition que les propriétaires acceptent de vendre. Et pour inciter les gens à vendre, je suis désolé, il faut y mettre de la fiscalité pour permettre que ce qu'un certain nombre de propriétaires se rendent compte que ce serait mieux de vendre que de continuer de payer des biens qui ne servent plus à rien, qui sont des verrues, souvent dans des villages, voire dans des villes. Ce n'est pas uniquement dans le milieu rural. Voilà mes questions. Alors, je suis désolé d'avoir gâché un peu votre... Non, vous gâchez rien du tout. Non, je voulais faire une envolée. Pour le... l'accompagnement des ménages très modestes. Le MaPrimeRénov 2024, que c'est 90% pour les ménages très modestes, l'aide publique. Pardon ? J'ai pas entendu. Je ne parle pas que des... Il ne faut pas se mobiliser que sur les très modestes. Non, mais j'entends. Mais le choix qui est fait aujourd'hui, c'est de veiller effectivement à ce que les ménages très modestes ne soient pas exclus de ça. On est passé, là, on est à 5 milliards maintenant sur la rénovation énergétique des logements. Le PLF qui est devant vous, c'est 5 milliards sur l'aide de l'ADAN. C'est peut-être pas terminé. C'est-à-dire qu'on se retrouvera peut-être au PLF 25 et on aura peut-être encore une augmentation. On voit que c'est la tendance, de toute façon. Moi, je note quand même une chose aujourd'hui. Comme vous disiez, je connais mon territoire. Aujourd'hui, moi, c'est pas forcément d'ailleurs l'argent qui bloque le plus chez moi. C'est les entreprises et les diagnostiqueurs. Donc, il y a la filière économique aussi à monter, qui peut être aussi un obstacle à la rénovation énergétique. Donc, oui, il y a des obstacles. La question du coût est un obstacle. Vous avez raison. Et même, prenez par exemple les logements locatifs. Si vous faites aujourd'hui de l'isolation par l'intérieur, parce que votre façade, vous ne pouvez pas, etc., comme vous n'avez pas encore de technologie avancée sur les isolants minces, il y a le SGPI qui travaille là-dessus et qui accompagne, mais comme la technologie aujourd'hui, donc vous avez une épaisseur, vous perdez de la surface de votre logement et donc vous perdez du loyer. Donc effectivement, la question du modèle économique de la rénovation aujourd'hui, il n'est pas complet, il n'est pas fait, il n'est pas parfait. La perfection serait de financer tous les travaux pour tout le monde, mais effectivement, on n'en est pas là aujourd'hui. Ce que je vois, c'est l'effort qui est fait, l'évolution, qui me semble aller quand même dans le bon sens, et au moins de ne pas oublier ces ménages très modestes aujourd'hui. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, quand on parlait tout à l'heure des DPE dans le parc privé, n'oublions pas aussi que ramener un DPEG vers un DPEE ou D, c'est la facture énergétique du locataire qui tombe fortement. Et au moment où on est en train de parler des dépenses énergétiques considérables, aujourd'hui, un locataire en G paye des factures énergétiques insupportables. Donc la rénovation énergétique, c'est aussi du gain de pouvoir d'achat, c'est aussi du confort. Et donc, à un moment donné, il faut y aller. Donc, effectivement, je reconnais avec vous sans doute que l'aide sera jamais à la hauteur de l'attente. Mais en tout cas, elle va vers le haut et on continue à accompagner. Et je trouve que, par exemple, l'ambition qui est donnée sur la rénovation globale est une ambition positive. Est-ce qu'on est à la fin de ça? Non, on est au tout début d'un processus. À mon avis, il y en a encore pour quelques années devant nous. Je pense que la rénovation, on n'en a pas fini. Je pense qu'on a devant nous un beau chantier. Donc il n'y a sans doute pas l'aide qu'on imagine. Sur la question de la vacance, aujourd'hui, il y a des outils. La taxe sur les logements vacants, par exemple. Moi, je l'utilise à fond dans la commune de Dunkerque, à fond, on a mis. Quand c'est pas du logement, c'est plus complexe. Mais à la limite, pourquoi pas? Pourquoi pas en débattre dans la loi logement? Pourquoi pas? Pourquoi pas, à la limite? Étendre à quoi faudrait-il étendre la taxe sur les logements vacants? Et puis, il y a une autre question derrière qu'on aura aussi dans la loi logement. Faut-il déplafonner le taux de la taxe sur les logements vacants et donner la possibilité aux autorités organisatrices de l'habitat demain de fixer librement la taxe sur les logements vacants.
Moi, j'ai eu par exemple la maire de Calais qui m'a appelé, qui m'a dit, qui m'a posé cette question. Est-ce que j'ai un gros problème de logements vacants au centre de Calais, j'ai envie d'augmenter très fortement la taxe sur les logements vacants et je veux travailler à fond là-dessus, etc. Elle n'en avait pas la possibilité de par la loi aujourd'hui. Voilà. Est-ce que demain, dans le cadre de la loi logement, on donne cet outil demain et éventuellement élargi à d'autres équipements ou à d'autres bâtiments que les logements, pourquoi pas. En tout cas, ça doit faire partie de notre réflexion et c'est l'un des outils, notamment pour tous ces maires qui sont confrontés à beaucoup de vacances. Merci, merci du fond du cœur, monsieur le ministre, parce que vous nous avez consacré plus de 2 heures à ces échanges qui ont été passionnants, mais on a compris aussi à travers vos interventions qu'on serait amené de nouveau à échanger avec vous sur de très nombreux sujets, soit d'ores et déjà des PPL qui vont arriver à l'Assemblée nationale, mais surtout sur cette grande loi logement où vous nous avez dit qu'on débattrait pratiquement de tous les sujets, si j'ai bien compris. Voilà. Mais quand même, vous nous avez ouvert bon nombre de portes. En tout cas, merci beaucoup et bonne soirée. Merci à tous les collègues. Demain matin, 9h, l'audition de Madame la secrétaire d'État à la politique de la ville.